Bonsoir à tous, merci d'être présents ce soir. Nous terminons ce soir le cycle « Les formes de la ville » programmé par la Bibliothèque publique d'information. Et ce soir, nous allons parler de manière globale de qualité de vie en ville. Je précise que ce cycle de rencontres donc, qui s'achève ce soir a été élaboré en collaboration avec Anne Durand, architecte et urbaniste, qui est d'ailleurs dans la salle, qui nous fait le plaisir d'être là ce soir aussi. Ce soir, donc, je vous disais, nous allons parler qualité de vie dans la ville. Nous allons parler donc habitat participatif, gestion des temporalités, écoquartiers, etc., etc. Mais je laisserai bien sûr l'ensemble de nos intervenants préciser tout ça et intervenir longuement sur ces sujets. Alors, je remercie pour cette rencontre, bien sûr, Catherine Dameron, Mathieu Labonne, Cécile Maisonneuve et Thierry Pacot. Mais je laisserai Cyril Poy les présenter plus en détail que je ne peux le faire là. En revanche, je vais présenter Cyril Poy. Donc, Cyril Poy est président de la société Les Citizens. Il est aussi chargé de cours à l'Université du Havre dans le master aménagement. Mais Cyril Poy a aussi été dans une vie antérieure journaliste sur toutes les questions d'urbanisme à l'Humanité. Il a été aussi rédacteur en chef de la revue L'Architecture d'aujourd'hui. Je vous précise bien sûr que dans une deuxième partie de la soirée, vous pourrez poser vos questions, donc commencez déjà à y réfléchir pour les poser tout à l'heure. Très bonne soirée. Merci Sébastien, bonsoir mesdames et messieurs. Une petite introduction en guise d'ouverture à ce débat. Les villes sont-elles aujourd'hui désirables, si l'on s'en réfère aux chiffres portant sur l'évolution rapide de la part de la population urbaine à l'échelle mondiale, chiffres qu'on a évoqués lors de la précédente conférence. On se dit que, désirable ou pas, la ville est d'une certaine manière l'avenir de l'homme. Et il conviendrait même de parler, comme nous y invite l'un des participants à cette conférence, Thierry Pacot, pour le nommer, il conviendrait même de parler de mot urbanus pour décrire notre condition d'homme sur terre, tant vivre en ville façonne notre rapport au lieu, au temps, aux autres, mais aussi à la planète et à ce que les villes lui font subir. Je rappelle que les villes sont quand même des endroits où on pollue beaucoup hein, et sont les plus grands en termes de concentration sur un lieu émetteur de gaz à effet de serre. Notre avenir, néanmoins, semble urbain, mais est-ce que notre bonheur est vraiment en ville? Ou à tout le moins, notre désir de ville concerne quel type de ville? On a déjà vu, là encore, précédemment, dans une conférence, qu'il existe une multitude de façons de faire la ville et de types de ville, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Mais aujourd'hui, il nous faut creuser la question des conditions de la ville désirable. C'est un vaste sujet tant le désir, moteur incontesté, conscient ou non, de l'humanité, est un objet de recherche qui se prête difficilement au jeu de la stricte définition et qui renvoie souvent à des réponses paradoxales. Un exemple. Lorsqu'on interroge les Français sur le type d'habitat idéal pour eux, ils répondent incessamment depuis plus d'une vingtaine ou trentaine d'années que je regarde ces sondages, la maison individuelle. Du coup, si on en reste à la simple expression de cette réponse, on pourrait penser que les villes désirables pour les Français du début du XXIe siècle, de la fin du XXe, ce sont des villes faites de pavillons, puisque des villes où s'accumulent des maisons individuelles, eh bien, ce sont des villes où on accumule des pavillons. Excite donc toute notion de centralité, puisque ce qui compte ici, c'est mon petit jardin, dont je peux faire le tour avec ma maison au milieu. Mais en réalité, quand on creuse un peu, on voit que ce que veulent aussi ces gens qui disent vouloir un pavillon, ce sont également des services à proximité, des équipements, des commerces, tout un tas de choses qui sont, in fine, l'antithèse de la ville pavillonnaire telle qu'on aurait pu le comprendre au premier abord. En fait, on veut des pavillons, mais avec les aménités que nous propose la ville, c'est-à-dire une certaine aussi densité en termes d'équipement. Alors, est-ce qu'on fera la ville demain comme on l'a fait aujourd'hui? Là aussi, c'est une question assez vaste, mais peut-être qu'il faudrait se demander quelles sont les raisons qui nous pousseraient à imaginer le faire autrement, si on veut éviter l'écueil du désir, où on voit que ce n'est pas forcément par là que l'on peut passer pour trouver une réponse claire. Pourquoi on la ferait autrement? Y a pas mal de raisons aujourd'hui qui nous amènent à penser qu'on pourrait faire la ville autrement.
de multiples tendances qui émergent dans les villes permettent de reconsidérer la manière dont elles sont conçues et gérées. Les mobilités, les temporalités proches des usagers sont expérimentées. L'habitat se veut de plus en plus participatif, la ville collaborative. Les quartiers cherchent à être respectueux de leur environnement. Les gens aussi s'engagent, y compris dans des démarches de consommation et même dans des démarches de fabrication de nouvelles façons de s'approvisionner. Je pense à des coopératives alimentaires comme la Louve. Donc les gens ont envie d'autre chose. Et finalement, la question de la ville désirable, c'est tout un tas de questions qui viennent s'additionner et qui nous invitent à repenser la façon dont on fait les choses. Alors que nous disent ces projets du désir de faire la ville ensemble, de repenser la communauté? De quelle ville voulons-nous plus que de quelle ville désirons-nous? Et question subsidiaire mais fondamentale, de quelle manière voulons-nous faire ces villes désirables? Parce que la question du mode de faire est une question essentielle dans les questions urbaines et dans les autres questions également. Pour en parler, donc, quatre invités qui ont été présentés par Sébastien Godelius, que je vais très rapidement vous présenter. Catherine Dameron à mes côtés. Vous êtes responsable du Bureau des Temps à Rennes Métropole. Alors vous allez nous expliquer ce qu'est le Bureau des Temps. Mathieu Labonne, co-directeur du mouvement Colibri et président de la coopérative Oasis. Alors ça, c'est peut-être quelque chose que les gens connaissent dans la salle, mais je pense qu'on ne va pas échapper à une présentation du mouvement Colibri et d'Oasis. Cécile Maisonneuve, à côté, présidente de la Fabrique de la Cité. Alors, la Fabrique de la Cité, c'est un think tank, c'est un endroit où on réfléchit à comment on pourrait faire les choses différemment. Vous avez un site, les études sont publiées, il y a des choses très intéressantes qui paraissent régulièrement. Et c'est un think tank qui est financé par Vinci. Et enfin, Thierry Pacot, philosophe et urbaniste. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages. On serait ici jusqu'à demain matin si on devait tous les citer. J'étais arrivé avec l'un des derniers, mais vous m'avez dit, mes chers amis, il y en a déjà 10 qui sont sortis depuis. Donc, je ne l'ai pas amené. Voilà, mais je le cite quand même. Un philosophe en ville avec une édition augmentée. On peut le dire, Thierry Pacot, vous avez écrit sur tout un tas de sujets, compilé tout un tas de textes, y compris des films. Voilà, vous êtes un peu une encyclopédie vivante de la question urbaine observée depuis la philosophie. Catherine Dameron, qu'est-ce que le bureau des temps? Qu'est-ce que c'est un bureau des temps? Et qu'est-ce que Rennes Métropole fait avec un bureau des temps? Qu'est-ce que cherche cette métropole? Le bureau des temps, tout d'abord, c'est un service de la ville de Rennes et de Rennes Métropole qui invite à prendre en compte le temps dans l'ensemble des politiques publiques d'une ville et notamment celle de l'aménagement. Donc c'est l'idée de faire un pas de côté par rapport à la manière plus classique d'aménager l'espace uniquement en prenant en compte les temporalités des habitants. Et pour répondre au sujet d'aujourd'hui, il me semble qu'une ville désirable doit permettre à chacun de mener la vie qu'il souhaite, au rythme qu'il le souhaite, aux différents âges de la vie, sans pour autant créer de nouvelles inégalités et de nouveaux conflits temporels. Alors, pour repréciser un peu plus en détail l'approche temporelle que l'on a de l'aménagement, tout d'abord, on part d'un constat des différents rythmes qui structurent le fonctionnement d'un territoire, que ce soit les rythmes de travail, les rythmes scolaires, les horaires des services et commerces, les horaires de transport, etc. Donc tous ces rythmes sont imbriqués, emmêlés, et conditionnent le bon fonctionnement temporel d'un territoire. Or aujourd'hui, les rythmes de vie ont énormément changé depuis une époque où on était dans une société relativement synchrone, rythmée par les saisons, la cloche de l'église, la sonnerie de l'usine, pourquoi pas le coq, le 20h. Et aujourd'hui, on est sur des rythmes de plus en plus diversifiés, individualisés. Quelques grandes idées à avoir en tête. Déjà, l'allongement de la durée de vie, qui fait qu'on a une grande partie de notre vie qui n'est plus structurée par le travail. Le travail lui-même est de plus en plus individualisé, avec des rythmes très fragmentés ou très atypiques. Un chiffre, par exemple, c'est uniquement 37% des salariés français aujourd'hui ont des horaires classiques du lundi au vendredi à temps plein, connus à l'avance.
d'avance, etc. Donc on n'a pas forcément ces chiffres-là en tête. On oublie que 48% des personnes travaillent régulièrement ou occasionnellement le samedi, 26% le dimanche, etc. Je ne vais pas vous sortir tous les chiffres qu'on pourrait sortir, mais en tout cas, les rythmes de travail ne sont plus du tout aussi structurants qu'ils ont pu avoir et ne sont plus aussi synchrones. Par ailleurs, on a aussi donc diversification des rythmes de vie, mais aussi une grande inégalité face au rythme de vie entre un ménage qui peut acheter du temps sous forme d'heures de garde d'enfants ou d'heures de ménage, de plats préparés, etc., et un ménage qui vit des rythmes de travail atypiques avec des temps de déplacement très longs, qui assure seul la gestion d'un foyer. On n'a pas du tout le même rapport au temps, et donc c'est générateur de fortes inégalités. Donc, à l'échelle d'une ville, ces différentes temporalités ont plusieurs conséquences. D'une part, on a une demande de plus en plus étendue envers les horaires des services publics. On veut presque une ville 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et à la fois, on a une forte demande et une forte attente de ralentissement des rythmes de vie qui s'expriment. Donc, on a des attentes ambivalentes sur le rythme de la ville. On a aussi des usages parfois conflictuels de nos temporalités. Enfin, on a des conflits d'usage, par exemple, entre des usagers qui veulent profiter de la vie noctambule et faire la fête, et les riverains qui veulent dormir. Donc là, on se retrouve très, face à des conflits d'usage temporel. On a mené une réflexion il y a 2 ans, avec Anne Durand d'ailleurs, sur la prise en compte du temps dans l'aménagement. Donc je vous ai amené quelques exemplaires du travail que nous avons réalisé à cette occasion-là. Vous pourrez en prendre en sortant. Le souhait qu'on avait en menant ce travail, c'était de montrer à quel point donc la prise en compte du temps dans l'aménagement permettait un pas de côté par rapport à une approche plus classique. Alors, il y avait plusieurs idées. Déjà, l'idée que le temps, finalement, c'est la quatrième dimension de l'aménagement urbain, après les 2 dimensions du plan, la 3e dimension du volume. Le temps permet de penser la ville en mouvement, en fait, les usages de la ville qui évoluent dans le temps, et permet aussi de penser les aménagements de la ville dans le temps long et comment ils s'adaptent ou pas aux nouveaux usages. Donc ça, c'était une première idée. L'autre idée, c'était de vraiment centrer notre approche temporelle, finalement, sur les usages. Vraiment, l'approche temporelle de l'aménagement, c'est une approche par les modes de vie, par la maîtrise d'usage. En fait, on a juste une clé de lecture, une grille de lecture qui est très méthodique. On regarde comment un espace public ou un bâtiment vit sur l'année, au fil des saisons, les usages ne sont pas les mêmes. Sur la semaine, jour de semaine ou week-end, on n'a pas les mêmes usages. Et enfin, sur la journée, en 24 heures, qu'on soit de jour, de nuit, en heure de pointe, en heure creuse, on n'a pas les mêmes usages de la ville. Donc on applique cette grille de lecture temporelle, finalement, pour lire les usages de la ville et permettre une ville qui soit la plus accueillante pour cette diversité d'usages. Après, on a aussi des enjeux d'égalité, notamment en termes de temps d'accès aux aménités. Vous avez parlé la ville pavillonnaire ne permet pas le même accès aux aménités urbaines. Il ne faut urbaines. Pas oublier sa baguette, ni d'aller chercher ses enfants au judo. Voilà, ou en tout cas, on est dans des pérégrinations un peu zigzagantes, comme ça a pu être écrit. Un enjeu aussi de développement durable, de penser la ville d'aujourd'hui en essayant d'anticiper, toute la prospective est toujours très difficile, mais les usages qui seront faits de la ville demain. Et un enjeu aussi citoyen pour être à l'écoute des citoyens sur la ville qu'ils désirent. Alors, je vais juste illustrer de manière assez rapide quelques exemples de ce qui peut être fait. Tout d'abord, une première série qui est sur la manière dont on peut
comprendre et analyser les rythmes de vie d'un territoire. Un premier exemple à l'échelle nationale, alors j'espère que c'est relativement clair, c'est juste pour illustrer le fait que chaque territoire n'a pas la même couleur temporelle, nous on utilise ce terme-là, qu'on soit en zone urbaine, en zone périphérique, en milieu rural ou sur la côte, on n'a pas du tout le même rythme de vie. Donc là, c'est une illustration avec les dents densité d'utilisation du téléphone mobile, donc ça date de 2014, et on voit qu'un jour en semaine, on a une très forte concentration sur les zones urbaines et métropolitaines. Le dimanche, une présence de la population beaucoup plus diffuse sur l'ensemble du territoire national, et un jour d'été, en août, un héliotropisme ou un plageotrancentrisme, je ne sais pas comment appeler ça, qui nous amène sur la côte. Bah, le centre de la France, il y a quand même des gens aussi. Oui, heureusement, on voit le tourisme vert notamment. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir à l'échelle nationale. On peut regarder aussi, alors bon, l'illustration n'est peut-être pas parlante parce que c'est normalement quelque chose qui est en dynamique, les pulsations d'une ville, donc qui montrent comment différents quartiers de la ville se remplissent ou se vident sur 24 heures et sur une temporalité spécifique, celle de la nuit, avec l'exemple de Paris. C'est juste une carte qui montre si les commerces ou les offres culturelles ou les bars sont ouverts ou fermés en fonction des horaires de la nuit. Et on voit que plus la nuit avance, plus l'offre diminue et elle se polarise sur certains lieux de vie nocturne. Donc cette approche que là je présente sur différentes échelles territoriales, on peut l'avoir pour analyser les rythmes aussi d'un espace public, d'un bâtiment, etc. Une autre clé de lecture dont on a parlé tout à l'heure, c'est la question des temps d'accès. Là, j'ai juste illustré quelque chose qui est dans notre projet urbain de Rennes, c'est permettre à chaque Rennais d'avoir un accès à 5 minutes à pied à un espace vert ou de promenade. Donc c'est l'approche en temps d'accès aux aménités. Les aménités, c'est pas que des commerces et des services, c'est aussi des lieux de détente sur le territoire. Et là, on avait fait une approche qui est aussi en temps d'accès sur l'accès à un panier de commerces et de services du quotidien, pharmacie, boulangerie, école, etc. Et qui montrait un meilleur accès dans les zones les plus denses, pour se faire simple. Alors, cette approche-là, qui est, c'était des approches plutôt d'analyse des temporalités des villes, et après, on s'est demandé, avec le groupe de travail avec lequel on a travaillé, comment concrètement on peut le traduire dans les opérations d'aménagement qu'on conduit à différents niveaux. Donc là, un premier exemple, c'est à l'échelle du bâti. Alors, je suis désolée, je vais présenter les choses de manière très superficielle, mais on a, par exemple, le quartier de Quinta Monroy, que Anne Durand connaît bien, qui, à partir d'une trame urbaine assez légère, permettait aux habitants de ce quartier populaire de s'approprier au fil du temps et de leurs moyens le bâti pour le faire évoluer et l'adapter à leurs besoins. Un exemple au centre, c'est celui, d'ailleurs je crois que ça vient de Vinci, qui en fait les grands groupes immobiliers s'intéressent aussi à cette évolutivité, cette réversibilité du bâti en permettant par exemple, en prévoyant par exemple que les, c'est le cas à Rennes, je vous donne l'exemple de Rennes, que les rez-de-chaussée à proximité immédiate des stations de métro, soit d'une hauteur suffisante pour accueillir demain des commerces, même si aujourd'hui c'est pas le cas, on le prévoit dans l'aménagement parce que dans une logique de développement durable aussi, c'est moins, ça a peut-être un surcoût aujourd'hui, mais dans une analyse en cycle de vie, si je peux dire, ça sera plus rentable à terme. Ce sont plutôt des demandes des collectivités, hein, parce que ça engendre des surcoûts en termes de construction, donc c'est pas forcément les promoteurs ou les développeurs urbains qui le proposent. C'est une demande de la collectivité. Ou alors pour se démarquer par rapport à une offre. Oui. Et enfin, l'exemple en bas, c'est l'exemple du pôle Molière, qui est un pôle éducatif aux Mureaux, qui est d'une part polyvalent parce qu'on a sur le même lieu à la fois une école, des salles polyvalentes, une école de musique, une crèche, etc. Et adaptable dans le temps puisqu'on peut en déplaçant quelques cloisons transformer la salle de restauration en salle d'exposition et elle est aussi évolutive dans le temps long puisqu'il est prévu de pouvoir ajouter un étage en fonction des besoins.
Sur les espaces publics, on a la même approche pour permettre des usages différents en fonction des besoins des usagers. J'ai repris l'exemple de la place de la République où finalement le choix qui a été fait, c'est des aménagements très légers pour ne pas brider et ne pas orienter trop les usages d'aujourd'hui, mais permettre une diversité d'usages au fil du temps. J'ai juste donné aussi l'exemple en bas de la place Sainte-Catherine, aussi à Paris, où finalement, c'était pas tant une question d'aménagement que de règles d'usage et de bon voisinage, et qui s'est traduit par des chartes des usages entre les restaurateurs, les livreurs et les habitants de la place, pour permettre justement d'éviter les conflits d'usage qui existaient auparavant. Je passe un peu rapidement. Et enfin, ce qui nous semblait aussi important de souligner dans le guide, c'est d'insister sur le fait que lorsqu'on prévoit aujourd'hui un projet urbain, on le prévoit trop souvent un projet ficelé dans le temps pour 20 ans, alors qu'on sait qu'une ZAC, c'est 20 ans, etc. Ou un projet urbain encore plus. Et l'idée, notamment, qui a été mise en œuvre avec le plan guide de l'île de Nantes, c'est d'adapter et de faire évoluer le projet au fil de l'expression des habitants et des futurs usagers du site. Donc ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect qu'on a aussi pas mal détaillé, j'ai donné juste un exemple, c'est tout ce qui est aménagement temporaire, en fait, qui permet soit de tester avec un aménagement très léger des usages avant de les confirmer par un aménagement plus durable, soit de changer le regard qu'on a sur un quartier ou un espace par des aménagements temporaires qui peuvent ensuite influencer l'aménagement de demain. Merci Catherine Dabron pour cette présentation. Alors, Monsieur Ladone, si on vous demande, vous, qu'est-ce que serait qu'une ville désirable, et avant ça, qu'est-ce que le mouvement Colibri et qu'est-ce que le mouvement des Oasis? Bonjour à toutes et à tous. Alors peut-être oui. Avant de commencer, moi je vais surtout me baser sur l'angle du témoignage, que je n'ai pas forcément... De généralité à dire sur le sujet. Donc le mouvement Colibri, c'est une association qui a maintenant 12 ans, qui a été fondée par notamment par Pierre Ravi, que certains connaissent j'imagine, par aussi Cyril Dion qui a fait le film Demain et d'autres personnes, avec une, on va dire, à l'origine du mouvement Colibri, une intuition, c'est que face aux défis auxquels on a affaire aujourd'hui, il y a une réappropriation citoyenne qui est nécessaire, que ce soit les questions d'éducation, d'agriculture, d'habitat aussi. Il y a une responsabilité individuelle qui est nécessaire et qui passe après par des projets collectifs. Il y a besoin, en gros, de se bouger, quoi, collectivement. Nous sommes, nous aussi, chacun, de notre côté, des acteurs de ce changement. Voilà, nous sommes tous des petits colibris qui pourront faire notre part. Voilà. Peut-être rappeler la parabole du colibri, parce que... Oui, moi, je pense que certains la connaissent tout le monde déjà. La connaît. Mais... Qui ne connaît pas la parabole du colibri? Ah, bah, y en a, il y a des mains qui se lèvent, allez. Oui, alors c'est une petite histoire, après, à la fin de la légende, on la raconte comme on veut, mais c'est une légende amérindienne qui raconte qu'il y a un grand incendie dans la forêt amazonienne et que tous les animaux étaient complètement terrassés face à l'incendie, sauf le petit colibri qui prenait quelques gouttes d'eau et qui les mettait sur le feu et qui faisait l'aller-retour comme ça. Et à un moment donné, le tatou, exaspéré, dit au colibri « Mais colibri, ce que tu fais ne sert à rien ». Et le colibri répond « Oui, je sais, mais je fais ma part ». Et donc, à la fin de la légende, après, chacun l'imagine à sa façon, mais dans tous les cas, même si on est des petits colibris, l'idée, c'est de pouvoir, à notre échelle, essayer de faire des choses. Et c'est ce qu'on voit, hein, collectivement, nous, depuis pas mal d'années, c'est que plus de gens se reprennent du pouvoir, on va dire, sur les choses, donc inventent une forme de nouvelle politique en acte, disons, que ce soit sur les questions des circuits courts alimentaires, la question des nouvelles formes de pédagogie qui émergent partout, voilà, sur tous les sujets. En fait, on travaille sur 6 grandes thématiques. Hein, pour ceux qui ont vu le film Demain, c'est les 6 thématiques du film Demain. Et moi, je suis arrivé à Colibri en 2014, donc... Après, j'ai pendant 4 ans et demi, là, j'ai dirigé le mouvement, mais c'était avec une intention, c'était de lancer ce qu'on appelle le projet Oasis, qui partait d'un constat, c'est que beaucoup de citoyens et de citoyennes aujourd'hui veulent se réapproprier leur lieu de vie et leur mode de vie. Et que ça passe souvent par des processus qu'il faut accompagner, parce qu'ils ne sont pas simples, qui sont le fait de construire ou de rénover collectivement, parce qu'une Oasis, on va voir, c'est des projets collectifs, hein, ce n'est pas un projet individuel. Et pour répondre à des envies d'un mode de vie plus écologique, plus à l'écoute de nos rythmes aussi,
plus solidaire, plus participative, voilà, dans un nombre de valeurs qui sont présentes. Et on a, donc, le projet a commencé, il n'y avait pas beaucoup de projets dans ce réseau. Aujourd'hui, 4 ans et demi après, il y a 880 oasis dans le réseau. Donc c'est un mouvement qui est devenu vraiment national et qui est assez puissant, moi, je trouve. Non pas forcément le nombre de personnes touchées, parce qu'une oasis, on va le voir, c'est souvent des petits collectifs, hein, c'est rarement plus d'une vingtaine de personnes. Mais par contre, ce sont des lieux qui inspirent beaucoup de gens. Et alors, c'est positionné où plutôt ? Alors, il y a des lieux en milieu urbain qui ressemblent beaucoup les habitats participatifs et aussi beaucoup de lieux en milieu rural. Alors peut-être pour présenter un peu ce que c'est, nous, c'est deux grandes valeurs. Après, il y a plusieurs critères, mais c'est la valeur de l'écologie. Donc c'est souvent la question de la souveraineté alimentaire, la question de la souveraineté des ressources et la question de la mutualisation, du partage, qui est le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de citoyens souhaitent, d'ailleurs c'est une étude qui est faite par un compteur immobilier il y a déjà plusieurs années, souhaitent mutualiser des espaces avec leurs voisins. Que ce soit des chambres d'amis, des laveries, des espaces de salles de jeux pour les enfants. En tout cas, il y a une envie de peut-être moins avoir de mètres carrés à soi, mais avoir peut-être plus de mètres carrés à partager. Et ça, c'est ce qu'on voit pour donner aussi. Je ne me suis pas présenté, mais moi, j'ai monté plusieurs projets. Notamment, là, j'ai créé un éco-village. On est 28 familles en Eure-et-Loire, donc à la campagne. On n'est pas dans un milieu urbain, je peux vous dire. Petite ville de campagne. Et on est 28 familles à avoir fait le choix de s'installer là-bas en recréant des espaces communs, des chambres d'amis collectives, des buanderies. On traite nos eaux par des phytoépurations qu'on a construits nous-mêmes. Voilà. Et donc, ça demande évidemment de passer du temps à recréer d'autres modes de vie qui sont plus cohérents pour nous, pour nos enfants, voilà, pour prendre soin aussi des personnes âgées. Et donc, par rapport à la question de la ville désirable, moi, j'aurais un témoignage du coup qui est partiel, puisque je vois ce mouvement citoyen, mais il y a d'autres mouvements qui sont peut-être dans un sens contradictoire. Moi, ce que je sens, c'est que les personnes ont besoin de recréer du lien social, et que moi, je ne crois pas que le lien social se fait à des très grandes échelles, à titre personnel, parce que la ville telle que je la conçois aujourd'hui, si grande, voilà, elle est plutôt une fabrique d'anonymat, j'ai envie de dire, dans la ville. Ça peut être bien l'anonymat aussi. Ça peut être bien, mais je pense qu'aujourd'hui, voilà, moi, je ressens un besoin de gens de recréer du lien avec des voisins, avec des amis, avec, voilà, avec leur famille aussi, d'avoir des lieux adaptés. Je sens qu'il y a une envie de beaucoup de citoyens aussi de se préparer à des formes de difficultés écologiques qu'on connaît de plus en plus. Hein. On est dans une société aujourd'hui où de plus en plus de gens ont conscience qu'il y a des possibilités d'effondrement, qui ne sont pas forcément sûres, mais qui peuvent se passer. Et que je crois que la ville, aujourd'hui, j'ai été chercheur au CNRS sur ces questions-là, et j'étais sur le du bilan carbone du CNRS, du CEA à une époque. Je crois que le mode de vie urbain est assez malléable dans sa résilience, qui à mon avis est assez faible, de mon point de vue, face à des chocs climatiques, des chocs énergétiques. Et que du coup, ça demande une réappropriation, encore une fois, de reprendre du pouvoir sur sa vie, sur sa consommation, de passer d'un statut de consommateur à un statut de producteur, donc de se remettre à produire, que ce soit par de son alimentation, de produire, de réapprendre des savoir-faire manuels, de réapprendre à bricoler. Et moi, je vois beaucoup de gens dans les lieux que je gère, des urbains qui viennent aussi réapprendre toutes ces choses-là pour aussi se sentir plus autonome. Il y a une quête d'autonomie, de partage et de convivialité dans la société, en tout cas, sur une part de la société, au moins, c'est assez visible. Et autonomie et partage, c'est marrant, ce ne sont pas des choses qu'on ouais. En tout cas, qui intuitivement... Justement. Parce qu'il y a la question de... Enfin, je vous coupe, excusez-moi. Mais là, il y a une question d'échelle qui est importante. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une pertinence à cette échelle-là, c'est possible. Après, il y a aussi d'autres échelles. Les villes ont des échelles. Paris, voilà, à une grande échelle. Et on ne va pas dispatcher Paris façon puzzle, comme dirait l'autre, sur tout l'ensemble du territoire. Ce ne serait pas durable. Ce ne serait pas très durable, d'ailleurs. Hein, il y a, à un moment donné, il y a la densité a certaines vertus aussi. Et puis, il y a aussi la question de cette autonomie. C'est aussi, quelque part, puisqu'il y a tout un tas de débats aussi, quand se sont développées des approches en termes de production énergétique, finalement, si on s'autonomise, on se retire aussi de la collectivité et du bienfait de la collectivité, notamment dans le paiement de certaines infrastructures qui, à certaines échelles, sont plus valables. Donc, c'est juste pour Alors, peut-être déjà, l'autonomie, il faut peut-être la définir. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous invite à faire, en fait. Oui, paradoxalement, être autonome, ce n'est pas forcément être seul, parce qu'on ne peut pas être autonome seul. Donc, ça demande des autonomies collectives. Pour prendre un exemple, hein, si vous voulez, je prends un exemple très simple. Vous voulez cultiver un jardin tout seul, vous voulez tendre à une forme d'autonomie alimentaire. Si vous le faites seul, vous partez plus en vacances l'été parce qu'il faut arroser les plants de tomates. Mais tous les jours, il faut y être. Oui. Et donc, du coup, si vous organisez collectivement, vous pouvez tendre vers le fait d'avoir un jardin commun. Les poules, c'est pareil, il faut les nourrir. Hein. Les poules, pareil, beaucoup d'autres choses. Et nous, on voit que les citoyens s'organisent pour ça, c'est-à-dire de recréer
quand on parle d'autonomie, c'est aussi recréer une forme de stabilité sur ce qu'on utilise, sur ce qu'on consomme. C'est toutes ces solidarités villageoises que connaissaient nos grands-parents et même nos parents dans les petits bourgs. Hein. Oui. On ne réinvente rien de ce point de vue-là. Non, on réinvente qu'un. On invente des nouvelles façons de le faire, mais les valeurs sont assez communes. Là où il y a des pratiques qui sont nouvelles, il y a des expériences sur des modes de gouvernance, il y a aussi une question de choix qui se pose, c'est-à-dire que chaque collectif que l'on accompagne fait des choix de mutualiser ou pas les équipements. Il y a des collectifs qui ont des choix extrêmement communautaires, d'autres qui choisissent de mutualiser une laverie. Ça va, c'est pas trop impactant sur le mode de vie. Et que nous, l'idée dans le projet Oasis, c'est pas forcément de donner du prêt-à-penser sur ces questions-là, mais plutôt d'entendre cet appel et de l'accompagner, parce que qui dit réapprendre à vivre ensemble et à faire ensemble, dit aussi la question du frottement aux facteurs humains. En fait, les projets d'Oasis, leurs deux complexités, il y en a deux. C'est jamais tout le monde a peur d'envoyer des modèles juridiques, etc. On trouve toujours des solutions. Deux complexités, c'est la question financière. Aujourd'hui, clairement, les opérateurs financiers ont peur de ces projets collectifs parce que le risque devient collectif et c'est plus compliqué. Donc on a même créé la coopérative Oasis, c'est un peu comme Terre de Liens sur les questions d'intérêt agricole, c'est un outil pour financer en fait par des citoyens. Ou un outil, non, pas foncier, un outil de financement et d'accompagnement des projets collectifs. Et l'autre enjeu, c'est l'enjeu du facteur humain, parce que ça demande de réapprendre à faire ensemble, d'où des questions de gouvernance, de relations humaines. Donc je ne vous dirais pas que créer une Oasis, c'est facile. En l'occurrence, on mesure que c'est compliqué. Par contre, moi, je suis assez convaincu que, si on parle de ville désirable, je pense que ça demande de se réapproprier les échelles des petits collectifs. Je pense qu'en France, on a été traumatisés, moi je vais être assez fort, par la peur de toutes les formes de communauté. Ce qui fait qu'on a une pensée de l'écologie aujourd'hui qui est une pensée soit des bons gestes individuels, soit une pensée à des grandes échelles, des messes climatiques et autres. Je pense que l'écologie est la plus puissante, et l'écologie des petits collectifs, et c'est l'échelle d'un quartier, d'un immeuble, d'un village, d'un hameau, et que ça demande une réappropriation citoyenne, puisque ça ne peut pas forcément passer par des institutions. Et voilà, c'est ce qu'on voit, hein, c'est 880, je vous invite à aller voir hein, sur le site de Colibri, il y a plein d'exemples, plein de vidéos, il y a même un ouvrage qui présente 100 projets différents qui est sorti. Parce que ce qui est important, c'est que ça peut être plein de types de projets, en fait. Il y a pas... Nous, l'idée, c'est justement de ne pas créer une forme trop figée, parce qu'on est dans une phase d'expérimentation. C'est pas que de l'habitat, quoi. C'est pas que de l'habitat, ça peut être y compris des oasis ressources, donc des espèces de tiers-lieux, si vous voulez. Des ressourceries où on vient réparer, prendre du matériel. Il y a du multi-usage. En tout cas, c'est de réapproprier peut-être l'espace collectif un peu autrement, c'est-à-dire c'est un peu la question du bien commun face au bien privé, au bien public, mais la question du bien commun qui se pose, et je pense que c'est un des enjeux. En tout cas, on verra après vos questions, mais certaines personnes peuvent être sceptiques. Moi, je peux vous garantir de là où je suis que des projets existent et que des projets marchent. Après, ce n'est pas forcément le désir de tout le monde. On parlait de... Voilà. Après, moi, j'ai une conception d'une ville qui tendrait à être, non pas pensée toujours à des échelles macro, c'est Édouard Glissant qui parle de la pensée continentale et de la pensée archipélique. C'est-à-dire qu'on est très façonné en France par penser toujours les choses de façon uniforme. Moi, j'aime beaucoup la pensée archipélique, c'est-à-dire avec tous ces îlots, et d'arriver à penser les ponts entre les îlots. Bah, pour moi, une ville, elle ne peut devenir désirable et potentiellement résiliente que comme une somme d'immeubles, de quartiers, de petites communautés qui sont à penser. Et du coup, juste, je vous garde un instant sur la question de la ville. Paris, on fait quoi? Si on est Colibri à Paris, on fait quoi? Alors on a la Louve, on a de plus en plus, enfin on a des projets comme la Louve qui est un supermarché coopératif où les coopérateurs vont travailler hein, 3 heures par mois pour qui faire le caissier ou la caissière, qui couper le fromage ou mettre les légumes. Donc il y a ce type de choses. Mais concrètement, comment Colibri pourrait s'emparer d'une ville comme Paris? Parce que Paris est là. Hein, si on voilà, ne cherche on pas peut à s'emparer d'une ville. Non, mais quand je dis s'emparer, c'est prendre cette échelle-là et la rendre Colibri adaptable. C'est parce que la question, elle est ce rapport d'échelle, il est important. Et ici, il y a des gens dans cette salle qui sont aussi désireux de savoir quel type de choses vous parliez. C'est intéressant, la question de l'échelle. Hein, c'est comment, finalement, on arrive à construire une action collective. Donc, il y a des associations. Tout le monde, les Français sont des grands adeptes des associations. Hein, ce sont des gens extrêmement engagés. Donc, ces associations, ce sont aussi des façons de faire des choses ensemble. Mais du coup, pour aller plus loin et pour porter le message et pour mettre en pratique le message et les valeurs que vous portez.
Alors, on n'a pas réponse à tout déjà, non. Je profite de votre présence pour vous poser la question. Et en l'occurrence, moi, clairement, je pense qu'on vit à beaucoup de choses qui se font et qu'on accompagne. Donc, c'est la propriété citoyenne, elles se font par des jardins partagés, des Lalouves, des supermarchés coopératifs, par plein de choses. Après, si vous me demandez une vision à 30 ou 50 ans, je ne crois pas que nous vivrons comme nous vivrons aujourd'hui. C'est une croyance personnelle qui passe par voilà, une nécessité de réduire les cycles de production, de se réapproprier, ce qui n'empêche pas qu'il y aura des villes, mais je pense que le phénomène de densification, je peux peut-être parler de densité urbaine et qui se fait parfois au profit de la préservation des terres agricoles. Moi, pour habiter entre la Beauce et le Perche, je peux vous dire que ça a surtout bénéficié à des gros industriels agricoles, parce que finalement, on a tellement désertifié au moment les campagnes, parce qu'on ne pouvait pas mettre d'habitants dedans, qu'on a aussi généré une forme d'agriculture aujourd'hui. Et que moi, par exemple, oui, on s'est installé avec 28 familles sur un terrain, qui est un terrain qui était un ancien terrain agricole qui était en friche. Donc oui, on a urbanisé de façon très dense 28 familles sur un terrain. Par contre, grâce à notre présence, on a installé 3 maraîchers bio à côté, qui n'auraient jamais pu exister s'il n'y avait pas eu cette installation. On a 10 hectares là, actuellement qu'on est en train de récupérer aussi pour faire des projets agricoles plutôt de production vivrière. En bio. On a une maison senior de 24 logements, 24 personnes âgées, qui sont en train de se construire à côté avec l'intergénérationnel qui est possible. Donc je crois aussi qu'il va falloir repenser, je vais peut-être dire des gros mots, mais repenser complètement l'urbanisation qu'on a imaginée depuis maintenant plusieurs décennies. Il va falloir se retourner, pour certains d'entre nous, pas pour tous, mais vivre de façon un peu différente. En tout cas, c'est une croyance, c'est une conviction, mais voilà, et ça m'intéresse d'en débattre, en tout cas. Après, la densification et la monoculture, je pense qu'il y a d'autres raisons. Il y avait l'État français qui avait envie aussi qu'on soit un pays exportateur et producteur, et certaines banques qui ont accompagné ce développement technicien de l'agriculteur, qui avaient aussi quelques intérêts. On va vous écouter, Cécile Maisonneuve, pour savoir ce qu'est pour la fabrique de la cité. Ce sont des sujets que vous avez creusés. Hein, vous avez un spectre large. C'est ça qui est intéressant avec votre think tank, puisque vous vous intéressez à plein de choses, y compris un des derniers rapports, je crois, ces derniers mois. Je vais le résumer ou caricaturer, veuillez m'en excuser par avance. Mais grosso modo, les métropoles, vous dites attention, les métropoles européennes, vous voulez vous replacer dans le concert des métropoles mondiales et tout ça. Mais si vous continuez comme ça, plus personne ne viendra vivre chez vous, parce que de toute façon, ce sera trop cher chez vous et les conditions de vie ne seront pas forcément adaptées à ce que veulent les gens. Et je voulais le faire dans l'introduction, j'ai oublié, mais justement, je me rattrape. Rappelez-vous peut-être un sondage. Alors on peut critiquer ce sondage ou cette étude, l'échantillon, tout ce que vous voulez, mais la tendance est là. Plus de 80% des cadres franciliens disent qu'ils n'envisagent pas de rester à Paris. C'est-à-dire que ça veut dire quoi? Ça veut dire 80% des gens qui peuvent se projeter en termes de moyens et de mobilité professionnelle et se dire ben, « j'ai le choix, qu'est-ce que je fais ?» Eh ben, je ne reste pas là. Pourquoi? Parce que vivre à Paris, ben, c'est vivre sans espace vert, parce que Paris est une ville extrêmement déficitaire en termes de parcs et de jardins. C'est vivre dans des conditions de bruit, de pollution, de cherté, de relations aux autres aussi qui sont assez différents de ce que l'on peut trouver quand on va, par exemple, vous visiter chez vous, dans votre village. Voilà. Et donc, du coup, on a cette vraie question de savoir est-ce que les gens ont encore envie de vivre en ville. Et on voit que ce sondage, malgré tous ses défauts, il montre que la question du bénéfice de la ville, hein, l'ère de la ville rend libre, disait-on au 19e siècle. Aujourd'hui, l'ère de la ville, on a envie de le fuir le plus vite possible. En tout cas, une certaine partie de la population est là pour le dire. Donc du coup, je vous redonne la parole, excusez-moi de cette digression. Qu'est-ce que c'est une ville désirable? Qu'est-ce que vous avez pu observer parmi les études que vous avez menées? Ça serait quoi? Alors, l'étude à laquelle vous faites allusion, c'était une étude qui comparait dans 7 villes européennes, dont Paris, il y avait aussi Londres, il y avait Berlin, il y avait Munich, il y avait Bordeaux, Stockholm et Varsovie, le logement et la crise du logement abordable, pour montrer qu'en fait, les métropoles sont en train de perdre la bataille du logement abordable. Et il y a peut-être une exception au monde, peut-être mes voisins connaissent-ils une autre, c'est Vienne en Autriche. Alors, on pourra y revenir. Pour répondre à votre question sur les villes désirables, moi j'ai envie de prendre 2 exemples de villes qui a priori ne sont pas du tout désirables et expliquer ce qui s'y passe. Parce que quand on parle de désirable, le désir c'est la tension vers et voir comment elles essaient d'agir. 2 exemples très différents. Le premier exemple, on va aller aux États-Unis, je vous propose d'aller à Pittsburgh.
Alors Pittsburgh, dit comme ça, c'est pas très désirable. C'est une ville qui a perdu la moitié de ses habitants en 30 ans. Elle faisait 600 000 habitants au début des années 80, 300 000 aujourd'hui. Elle a fourni à peu près l'acier de n'importe quel pont ou n'importe quel gratte-ciel que vous voyez aux États-Unis, parce que c'était la ville du roi de l'acier Carnegie. Et puis ben voilà, la crise, une ville en perte de vitesse, une ville qui s'est vidée, dévitalisée littéralement. Et donc, nous, on a eu envie d'aller voir ce qui se passait à Pittsburgh. Alors, il y a une raison, c'est que de longue date, on connaît bien son maire à la Fabrique de la Cité, Bill Peduto. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand Trump avait dit « Voilà, moi, je vais sortir de l'accord de Paris parce que moi, je préfère Pittsburgh à Paris ». Peduto avait répliqué « Écoutez, moi, en tant que maire de Pittsburgh, Pittsburgh, ça m'intéresse, mais Paris aussi. Et donc, moi, je reste dans l'accord de Paris en tant que ville de Pittsburgh ». Alors, c'est une ville intéressante parce qu'aujourd'hui, elle se situe au cœur de la Rust Belt américaine, donc celle qui vote Trump. Ceinture de rouille. Voilà, qui vote Trump. Elle est aussi au cœur du plus grand bassin de gaz de schiste aux États-Unis, le fameux bassin Marcellus, qui a donner une nouvelle vie à cette région industrielle. Et puis, vous avez cette ville, Pittsburgh, avec son maire, qui a entrepris de la faire revivre. Et alors, Pittsburgh a une autre caractéristique. Moi, je me suis dit, bon, voilà, ils ont Carnegie Mellon, l'université numéro un au monde sur l'intelligence artificielle, l'informatique, computing science. Vous avez Google, vous avez toutes les GAFA sont là-bas. Donc, je dis, ben voilà, c'est ça le moteur. Et puis vous y allez et vous rencontrez la directrice de la mobilité, une femme exceptionnelle qui, jusqu'à quelques années, n'avait jamais mis les pieds à Pittsburgh parce qu'elle exerçait ses fonctions à Washington, Karina Ricks. Et puis elle vous explique, vous dites alors c'est quoi votre mobilité à Pittsburgh? Ça va être quoi, le véhicule autonome, travailler avec Uber et tout? Pas du tout. Non, non. Moi, mon objectif, elle a une stratégie en 5 points pour la mobilité et j'en ai retenu 2 qui me paraissent particulièrement intéressants. Elle dit premier point, un habitant de Pittsburgh ne doit pas dépenser plus de 45% de son budget pour se loger, se déplacer et son énergie, se chauffer, s'éclairer. Bon. Et deuxièmement, c'est un objectif d'accessibilité, c'est-à-dire ne pas rouler, parce qu'on est quand même dans une ville américaine avec peu de transport en commun, plus de 20 minutes, pour accéder à de la nourriture, j'allais dire de la vraie, de la nourriture des fruits et légumes. Donc, je trouve cette approche pour une ville qui, par ailleurs, est vraiment bénéficie d'un nombre de thésards venus du monde entier sur les questions d'intelligence artificielle, de fonds énormes venus des GAFAM, assez intéressante. Et tout est à l'avenant. Donc, une vision pour rendre à nouveau désirable cette ville qui, jusqu'alors, stabilise son hémorragie d'habitants, ne regagne pas des habitants, mais les stabilise, extrêmement volontariste, avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire que tous ces nouveaux habitants, ces thésards ou post-docs venus du monde entier, ben on voit des phénomènes de gentrification, la ville qui essaie de lutter contre ça comme elle le peut. Donc, premier exemple, voilà Pittsburgh. Deuxième exemple, alors là, je vous emmène en Asie et dans une ville, alors j'allais dire, c'est un peu la contre-histoire, le succès fulgurant, c'est Singapour. Cité-État, Singapour, indépendante depuis 1965. Alors, Singapour, ça ne fait pas rêver, enfin, ça peut faire rêver un technophile, ça ne fait pas rêver politiquement, ça ne fait pas rêver certains pour le climat. Et puis, quand on regarde de plus près, Singapour, quand ils sont devenus indépendants en 1965, c'est rien du tout, c'est un village de pêcheurs, 35% d'espace vert. Aujourd'hui, avec tous ces gratte-ciels qu'ils ont construits, qu'ils continuent de construire, 47% d'espace vert. Bon, intéressant. Et des corridors verts. Et vous pouvez faire le tour de l'île sans jamais être dans le béton, vous êtes dans la nature. Alors, on peut arguer du climat particulièrement favorable à ce genre de choses, mais voilà, c'est quand même ça. Après, on discute avec eux sur le sujet de la mobilité. Singapour, c'est la ville qui a plus de 5 millions d'habitants, 10 heures de bouchons par an. Bon, comment font-ils ? Et là, pareil, un discours extrêmement intéressant où déjà, ben, on fait payer à la voiture le vrai coût d'usage, qui est très très cher, mais très cher. Péage urbain, et puis rien que pour avoir une voiture, c'est comme acheter une plaque pour un taxi, il faut payer. Et une politique centrée sur les transports en commun. Comment tout ce que je fais sur la voiture, c'est du rabattement vers le transport en commun. Et ils doublent leur réseau de transport en commun avec une référence, quand même, disons-le, parisienne, même densité de transport en métro qu'à Paris pour 2030. Et puis, dernier aspect, une politique extrêmement intéressante, que c'est une ville qui vieillit et qui prend en main le sujet du vieillissement.
avec, moi je trouve, des alors, expérimentations. Vous parlez de la population ou du vieillissement du bâti ? La population. Le bâti est plus jeune que la population. Un vrai sujet de vieillissement. Et là, un travail très intéressant sur l'intermodalité. Chez nous, c'est un terme très... Expliquez ce que c'est que l'intermodalité. Alors, on confond souvent multimodalité et intermodalité. Multimodalité, c'est le fait d'utiliser plusieurs moyens de transport pour faire un trajet. Je vais faire un petit peu à pied, un petit peu en métro. Et après, c'est comment on passe d'un moyen de transport à l'autre. Parce que souvent, on prône la multimodalité, mais on est assez faible sur l'intermodalité. Et en fait, l'intermodalité, ça postule de se mettre à la place de l'usager. C'est ce que vous disiez. Pour comprendre concrètement comment on fait, il faut prendre le point de vue de l'usager. C'est-à-dire qu'il ne faut plus avoir un point de vue d'ingénieur, il faut avoir un point de vue de designer. Et là, une vraie réflexion, là encore, sur, à Singapour, pour précisément construire une ville qui soit une ville des seniors. Et quand on vous parle de véhicules autonomes à Singapour, ce n'est pas un rêve technophile, c'est juste comment ça va permettre de, permettre aux seniors de mener à bien leur programme d'activité, comme tout un chacun, voire de rabattre les 10 seniors vers le transport en commun. Alors, pourquoi j'ai choisi ces deux villes ? Parce que pour moi, elles ont en commun une chose. Et la ville désirable, au fond, c'est peut-être ça. Je réponds à votre question quand même. Oui, parce que je vous attendais quand même là-dessus. C'est qu'il y a un récit. C'est qu'il y a un récit commun. Parce que moi, je trouve que ce qui manque cruellement, la raison pour laquelle on met tout un tas d'adjectifs qualificatifs derrière le mot ville aujourd'hui, la ville inclusive, la ville désirable, la ville verte, la ville ceci, la ville cela, c'est, à mon avis, ça cache l'absence de récit commun sur ce qu'on veut faire, ou pas faire, hein, de ces villes. C'est-à-dire un récit politique. Or, on est dans notre civilisation européenne, pour revenir à l'Europe, on a pensé l'État depuis des siècles, on a toute la philosophie politique, là, parce que même Platon, il pense l'État quand il pense la cité, quand même. Platon, il pense quand même. Qu'est-ce que la démocratie, ça lui prend un peu de temps. Voilà, et la cité, voilà, que ce soit dans les lois, république, il pense le bon système politique. Et je pense qu'on souffre d'un déficit, précisément, de penser la ville comme projet politique et derrière de construire un récit commun qui nous permette tous ensemble de le faire. Parce que je retombe sur mon sujet du logement abordable, parce que qu'est-ce qui se passe avec en évinçant des métropoles, les classes populaires et les classes moyennes ? On construit la ville des mêmes. C'est-à-dire qu'on construit la ville de réseau social Twitter, je suis les gens qui pensent comme moi, et là je vis avec les gens qui pensent comme moi. Donc, ça devient une certaine ville, mais ce n'est pas un récit commun. Ce n'est pas du tout un récit commun. C'est le récit si on pense tous pareil. Il y a des villes qui fonctionnent comme ça. Il y a des villes qui fonctionnent comme ça. Ben, en tout cas, pour moi, ce n'est pas la ville désirable. Donc, pour répondre à votre question, c'est la ville désirable, c'est un projet profondément politique. Et on revient à l'Antiquité. Le projet politique, il faut du logos. C'est-à-dire qu'il faut à la fois de la raison, du discours, alors du calcul aussi. Il y a beaucoup de maths chez Platon, on le disait tout à l'heure. Mais il faut revenir à un discours, un vrai discours politique. Et là, on est loin du marketing territorial qu'implique la concurrence des métropoles entre elles, et on pourra y revenir. Eh bien, c'est une très belle perche pour Thierry Pacaud. Est-ce que Thierry Pacaud, cette recherche de sens, parce que finalement, c'est un petit peu ça, ce que dit Colibri, ce mouvement, c'est que voilà, il faut retrouver Colibri. Du sens à être ensemble. Voilà. Et c'est vrai que la question de pourquoi on vit ensemble aujourd'hui, on se la pose plus à cette échelle urbaine qui nous dépasse, qui va très très vite. Hein. Certains philosophes veulent qu'on font le procès de l'accélération. Ils disent attention, on va trop vite. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vont trop vite. Et le législateur n'a pas de temps de légiférer pour arrêter les choses. Donc du coup, cette ville désirable, ce serait d'abord cette ville qui nous permettrait de repenser la façon dont on a envie d'envisager notre vie avec les autres. Et aussi, si on envisage notre vie, notre relation, c'est notre espace, c'est notre temps, pour revenir à vos préoccupations. Ce serait ça, la ville désirable, c'est finalement se poser la question de comment on va pouvoir continuer à être ensemble. Beaucoup. Parce qu'on est beaucoup. Et ouais, on va l'être aussi de plus en plus, encore d'après les projections. Mais, ouais, moi, la ville désirable, ça ne m'intéresse pas du tout. Parce que le désir, c'est quelque chose de profondément personnel, c'est ce qu'on appelle le manque. Et donc, je ne peux pas imaginer une ville désirable, moi, pour tout le monde. Donc, ce que je préfère dire, c'est une ville hospitalière, une ville accueillante. Et une ville, c'est quoi ? Après 40 ans d'observation de... Donc, ça peut être la ville dans laquelle on voudrait vivre. Des smart cities, des villes en transition, tout ça. J'en suis arrivé à l'idée que la ville, c'était une heureuse combinaison de trois qualités, l'urbanité, la diversité et l'altérité. Et à cette
avec ces critères-là, je constate que le monde entier aujourd'hui voit les villes disparaître. C'est-à-dire que là, je ne pense pas que Singapour soit une ville, pour moi, enfin, dans ma définition. Je ne vais pas revenir sur Platon parce que je suis justement en train de terminer un essai sur Platon et la cité et ce n'est pas du tout ce que vous racontiez. Mais alors, dans le sens que, où, non, parce que c'est très compliqué. Platon d'abord change d'idée, évidemment, entre la République et les lois. Les lois, c'est un texte inachevé, c'est un texte au moment de sa mort, etc. Bon. Et il rentre. Parce que ce qui change entre nous et la Grèce antique, c'est la place des dieux. Donc, nous, Platon, on ne peut pas comprendre Platon si on ne comprend pas les dieux. Bon. Et nous, on est dans une structure tout à fait autre, évidemment. On ne va pas consulter les dieux avant de créer une ville nouvelle, etc. etc. Donc, soyons très, très, très attentifs à ça. Quand il parle de 5040 foyers comme taille idéale pour la cité qu'il imagine à Athènes, par ailleurs, 5040 foyers, ça fait à peu près à 7 ou 8 habitants par foyer. Vous voyez, ça fait 30 000 à 40 000 habitants. Donc, alors, on peut comparer à ce qu'était Athènes à son apogée, où il y avait à peu près 200 000 habitants. Mais il n'y avait que 25 000 à 30 000 citoyens. Alors, lorsque Cyril, tout à l'heure, prononçait cet adage allemand du 15e siècle, qui est « l'air de la ville rend libre », c'était un moment du second servage qui surgit dans cette partie de l'Allemagne après la Grande Peste, qui a généré donc énormément de morts et une condition de famine qui a été abondamment repris. Oui, 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 mais souvent même on disait au Moyen-Âge, pas au Moyen-Âge, c'est vraiment au 15e siècle, donc il ne faut pas non plus tout mélanger, mais ça c'est le truc habituel des citations qu'on reprend comme ça. Mais ce qui est important à savoir pour Athènes, comme dans les villes moyenâgeuses et autres, c'est que plusieurs historiens américains en particulier ont expliqué que jusqu'en 1800, 60% de la population mondiale était subordonnée, soit esclave, soit serf, soit dans des castes inférieures. Donc, si on veut comprendre la ville athénienne, il faut savoir que pour qu'elle fonctionne, il faut qu'il y ait dans la soute 40 à 50% d'esclaves. Alors, ce n'est pas tout à fait la ville désirable que j'imagine, moi, évidemment. Et aujourd'hui, le premier produit immobilier au monde, c'est la gated community, c'est-à-dire c'est l'enclave résidentielle sécurisée. Et donc, il se trouve que j'ai publié il y a 3-4 ans, ou 5 ans, je ne me souviens plus, « Désastres urbains ». Donc un bouquin qui s'intitule « Désastres urbains, les villes meurent aussi ». Il sort en poche à la rentrée, je l'ai donc actualisé. Et à ma stupéfaction, tout ce que je pointais comme étant catastrophique n'a fait que s'aggraver. C'est-à-dire que le gratte-ciel est énergivore. Le gratte-ciel ne permet pas d'urbanité dans son fonctionnement. C'est une impasse en hauteur. Donc après, on peut toujours me dire, oui, mais l'ascenseur est un espace public, c'est super sympa. Non, moi, quand je prends un ascenseur, ce qui m'arrive très rarement, je vois tous les gens occupés à leur portable ou regardant leurs souliers. Moi, je rentre, je n'ai pas de portable, donc je n'ai pas de ce truc-là, de gris-gris. Je rentre, je dis, bonjour, monsieur, dame. Personne ne me répond dans l'ascenseur. Alors, dans la place publique, non plus, du reste, parce qu'il n'y a plus de place publique. C'est ça qui est intéressant à observer à l'échelle mondiale, parce que Cyril l'a très bien dit dès le départ, c'est pas Rennes, c'est pas Singapour, c'est pas Portland, c'est pas Seattle qui nous importe ou Bergerac, c'est qu'à l'échelle planétaire, ce qui est le modèle dominant, c'est une production d'une ville à consommer, et le mot a été dit, la gentrification. Le dernier ouvrage publié en 2017 de Richard Florida, qui a mis de l'eau dans son vin, si je puis dire, explique que les villes, c'est catastrophique. Ça s'appelle la nouvelle crise urbaine. Hein. Le livre de Peter Markovitch, qui est sorti aussi en 2017, s'intitule « Comment tuer une ville ?». Donc ça, c'est clair. Hein. Eh bien, à chaque fois, c'est les villes sont en voie de disparition parce qu'elles se gentrifient. Et ce qui est nouveau, c'est qu'elles se gentrifient, mais qu'en même temps, il y a des poches de pauvreté dans les périphéries, ce qui n'était pas le cas dans la première phase de l'urbanisation capitalistique du XXe siècle. Donc je pense que la ville va mal et que le modèle dominant, et on l'a très bien vu à Habitat 3 à Quito, c'est la mégalopole. C'est-à-dire que les gens qui décident pour nous mettent en avant la mégalopole, c'est-à-dire la ville chinoise.
C'est-à-dire, vous savez, il y a eu quatre... Moi, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail comme ça, mais bon... Rapidement. Non, mais parce que c'est quand même important sur les tailles. Il y a eu quatre villes millionnaires jusqu'en 1800, dans toute l'histoire de l'humanité. Quatre villes millionnaires à leur apogée. Rome, Bagdad, Constantinople et Xi'an en Chine. À partir du productivisme, à partir de la révolution industrielle, là, les villes vont grossir. Parce qu'il y a le chemin de fer qui permet la circulation de la population et de la masse, donc on peut tout déplacer. Et donc on peut les concentrer dans des villes qui sont très vite surdensifiées, qui sont très vite congestionnées, etc. Et donc on comptait 11 villes millionnaires en 1900, 160 villes millionnaires en 1960, 535 villes millionnaires en 2015, et on espère 750 villes millionnaires en 2030, dont 150 en Chine, avec une moyenne de 6,5 millions d'habitants. Alors là, évidemment, on est loin de Platon. On est loin de Platon et de sa conception. Alors, le vivre ensemble, là, philosophiquement, j'en ai fait l'historique dans plusieurs articles, c'est une notion excessivement dangereuse qui ne me plaît pas du tout. Le truc être ensemble, vivre ensemble, toute cette espèce de truc démago, de faire du lien, ça ne m'intéresse absolument pas. Ça ne marche pas comme ça dans les désirs humains, j'entends. Ce n'est pas comme ça qu'on crée des sociétés. Colibri, ça ne vous intéresse pas ? Mais si, bien sûr, j'ai fait même plusieurs dialogues avec Pierre Rabhi. Bon, ce n'est pas ça le problème. Évidemment. Ah oui, pardon. Et donc, la question, c'est plutôt... C'est pour ça que j'ai travaillé depuis plus de 20 ans sur les temporalités, parce qu'il faut bien voir que tout ce qu'on est en train de mentionner, il y a une préhistoire de tout ça. L'habitat autogéré, je peux vous en faire l'historique en détail. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre quelles ont été les forces qui se sont opposées, parce que ça prenait très bien. En 68, 69, 70, en Allemagne, en Suisse, en Belgique, en France. Et puis, ça a été combattu. Ça a été combattu comme tous les jours, les grands groupes combattent toutes les initiatives dites citoyennes. Je peux vous donner un exemple très simple, c'est celui de la réhabilitation-rénovation de 60 maisons ouvrières à Boulogne-sur-Mer par mon ami Patrick Bouchain. Et quand il croise le patron de Bouygues, nord de région nord, Haut-de-France, je ne sais pas quoi. Ouais. Le gars lui dit, ah, c'est vous, Bouchain, vous ne nous faites plus jamais ça. C'est-à-dire qu'il faut bien avoir en tête que toute idée est un combat et il y a des forces qui s'opposent. Et je ne pense pas du tout que les forces qui sont pour les gated communities, qui sont pour les gratte-ciel, qui sont pour ce truc qu'on invente, là, qui s'appelle la smart city, qui est un ridicule inouï, bon, tous ces trucs-là, ils sont portés par des grandes firmes multinationales qui n'ont aucune velléité de rendre accueillantes nos lieux d'existence. C'est pour ça que moi, je plaide pour une écologie existentielle. Vous faites la même lecture de la disparition des castors, par exemple, qui ont été, oui, qui ont produit 30 000 logements en quelques années. Ou les cités-jardins. Les cités-jardins, il y a un manifeste qui vient d'être publié en Angleterre pour les cités-jardins du 21e siècle. Lisons-le attentivement, essayons de voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc c'est des rapports de force économiques et politiques aussi, mais oui, qui sont sûr à l'œuvre selon mais vous et qui visent à détruire évidemment les modalités de évidemment développement d'une ville autre. Pourquoi il n'y a pas plus de débats en France dans le domaine de la presse, et vous pourriez en témoigner puisque vous avez travaillé dans cette presse. Moi, j'ai dirigé la revue Urbanisme pendant 18 ans, donc je peux vous le dire. C'est que ce n'est pas possible d'avoir un débat quand on est face à des multinationales du BTP qui ont une telle puissance de contrôle. Ça ne les intéresse pas, le débat. Ils le refusent. Donc pour vous, c'est une question politique et économique. Le contrôle des jurys, de tout ça, bon, etc. Donc c'est pour ça que, malheureusement, la seule solution actuellement envisageable, c'est Colibri. Je dis malheureusement parce que c'est tout petit. Les bureaux d'étang, c'est né en l'an 2000. J'en avais parlé à Claude Bartolone, il s'en est préoccupé. Edmond Hervé, le maire de Rennes à cette époque, est chargé d'un rapport. Moi-même, je fais le Festival international des villes sur cette thématique de temps et territoire. Du coup, j'enclenche plusieurs thèses de mes doctorants sur le dimanche. Roger Warzloff aussi qui travaillait là-dessus. Ouais, oui. Bon, eh bien, en quelques années, peanuts. Très peu de bureaux d'étang. Très, très peu. Vous donnez l'exemple de Pittsburgh. Oui, mais moi, je peux vous donner l'exemple, et Anne Durand le connaît très bien, de Curitiba. Le maire fait des choses extraordinaires. Il est viré au moment des élections, il n'est pas réélu. Tout ce qu'il a fait est cassé systématiquement par les nouveaux élus. Donc c'est une fragilité inouïe, tous les exemples qu'on est en train de mentionner.
Et ce n'est pas du tout sûr. Moi, j'ai dirigé 3 thèses sur Détroit. Je peux rentrer dans le détail de vous montrer année par année comment les choses ne fonctionnent pas comme nous, on l'imaginait ici. Tout d'un coup, on dit « Ah, Détroit, c'est génial. Ça, ils cultivent leur champ, tout ça. » Mais ce n'est pas du tout ça. Pas du tout, du tout. Ils ne peuvent pas faire autrement. Tous ceux qui sont restés là, c'est ceux qui ne pouvaient pas partir. Ah oui. Et même dans le film « Demain », que tout le monde a vu, il y a une petite séquence au Détroit où l'ouvrier d'usine, anciennement ouvrier d'usine, dit « Je préférais mon job d'OS parce que c'était moins dur que la terre de mon jardin pour survivre. » Donc il faut faire très attention à ça, c'est que je pense qu'à l'échelle planétaire, toujours c'est ça qui est important, le grand ensemble, on n'est pas ensemble. Le centre commercial ne provoque aucun échange, au sens philosophique du terme. Le gratte-ciel est une impasse en hauteur, etc. etc. Donc je pourrais, le grand ceci, le grand cela, il y a un scénario de l'Institut Momentum qui vient d'être publié pour le forum des mobilités de je ne sais plus quoi de la SNCF, et qui dit le Grand Paris, c'est 8 biorégions urbaines. Donc il faut diviser, il faut revenir à des échelles autres. Tout d'un coup, on découvre Yann Gehl. Mais Yann Gehl, quand on le lit attentivement, il est très très précis là-dessus, sur la taille des villes, sur la densité, sur l'interrelation en permanence. Donc il nous faut repenser, ça fait des décennies qu'on est plusieurs à le dire et à l'écrire, et ça avance très très lentement, il faut arrêter ce mot toxique d'urbanisme. L'urbanisme, c'est la manière masculine et occidentale de fabriquer la ville productiviste. C'est très simple. À partir de ce moment-là, si on veut changer avec ça, il faut écoféminiser notre esprit, il faut le désoccidentaliser, et il faut, alors c'est pas simple du tout, il faut être en permanence dans la transversalité, dans l'interrelation et dans le processus. C'est-à-dire qu'il nous faut casser toute la hiérarchie verticale. Donc la municipalité n'a plus le responsable des parcs et jardins, le responsable des écoles, le responsable de l'emploi, etc. Non, il nous faut réinventer de nouveaux organigrammes, à la fois des territorialités et de l'État. Quand je vois qu'il y a un ministère de l'Environnement, je me dis, mais quelle catastrophe. Deux fois, je suis en colère. Et je vois bien, mais je sais. Du coup, si la ville désirable ne vous intéresse pas, on a bien compris, vous avez décrit toute l'organisation. Mais je pense qu'on est pas mal. Et du coup, de quelle ville, pour poser la question différemment et peut-être plus précisément, de quelle ville finalement voulons-nous, donc ça c'est une question collective, et de quelle ville, d'après vous, voulons-nous aussi, parce qu'on a des comportements aussi, et des non-comportements. C'est ça aussi la question. Parce que là, vous faites une analyse des forces d'opposition, des résistances, qui sont des stratégies économiques, des stratégies politiques. Ok, mais qu'est-ce qu'on répond à la question ? Quelle ville voulons-nous ? Puisque moi, je suis assez d'accord avec vous, ville désirable, ce n'est pas forcément la question qui m'intéresse. Mais finalement, quelle ville voulons-nous ? Et comment nous mettons-nous en mesure, et je parle à l'échelle de la ville, de faire en sorte que cette ville advienne ? Alors, moi, je suis assez tenté par la ville des situationnistes. Je pense que la ville des situations, on crée des situations sans cesse différentes. Alors là j'y trouverais certainement un très très grand plaisir. Mais je ne peux pas m'empêcher, c'est ça qui m'attriste, je ne peux pas m'empêcher de constater qu'il y a des gens qui sont ravis, et j'ai aucune raison de les critiquer et de considérer qu'ils sont débiles, ils sont ravis de passer le week-end au supermarché. Ils sont ravis de ça. Bon, donc ils vont dans des centres commerciaux gigantesques. Et Europa City, pour eux, c'est un must. C'est super. Alors Europa City, c'est un projet au nord de Paris. C'est un projet qui est déjà obsolète. Il y en a déjà 15 comme ça en Égypte, rien qu'en Égypte ou à Dubaï. Et en Chine. C'est un centre commercial, c'est qui vous fait croire que faire ses courses, c'est bien. C'est-à-dire que tout le monde pense que c'est chiant, mais eux, ils disent non, c'est du fun. C'est du fun shopping, c'est super agréable. On remplit notre caddie de plein de trucs dont on n'a pas besoin et on est content. Parce qu'en même temps, il y a un peu de culture. Il y a le grand aquarium, il y a une piste de ski, ce qui exige pour Dubaï ou pour l'Égypte une température de moins 2 degrés toute l'année, jour et nuit. Vous voyez, quand même, ça c'est top. Au niveau écologique, c'est vertueux. C'est moins qu'on puisse dire. Bon. Et puis, c'est l'idée très simple, c'est ça qui est ma grande inquiétude, et que dans mon prochain livre, je vais encore accentuer l'aspect, parce que je donne trop d'exemples qui vont dans ce sens-là, c'est la ville de la consommation. Quand Ikea fabrique un quartier entier de Londres et un quartier entier
de Berlin, ma crainte, c'est qu'on ait à l'intérieur des appartements imaginés par IKEA le mobilier d'IKEA. Vous voyez, la pauvreté, la fin d'un tout imaginaire, quelque chose qui est standardisé. On sera tous pareils. C'est effrayant. Et ça, en même temps, il y a une population qui jubile de ça, qui adore consommer, qui adore aller dans ces trucs. Donc moi, je me dis que, pour répondre à la question, du devenir urbain du monde, eh bien, il y aura forcément plein de formes de villes dont on ignore tout pour l'instant, afin de correspondre à cet éventail incroyable d'attentes humaines, qui ne sont pas les mêmes et qui sont parfois contradictoires, profondément contradictoires. Moi, je rêve une ville confortable. Pour moi, c'est une ville d'arcade. Quand il pleut, comme tout à l'heure, je me suis dit, bah, Paris, c'est nul, il n'y a pas d'arcade. Bologne, 52 km d'arcade, ça, c'est bien. Alors, c'est pas très cher à faire. Alors, si, ça, après, c'est la question, propriété privée, propriété publique, qui entretient les arcades, etc. C'est là où il faut se mettre d'accord pour fabriquer un autre type d'urbanisme. Donc, il faut commencer déjà par supprimer tous les mots toxiques. Aménagement, très mauvais terme. Il faut dire ménagement. Il faut dire ménagement parce que ça vient de ménager. Ménager, ça veut dire prendre soin. Prendre soin de quoi? Des lieux, des gens et des choses. Ça me plaît, ça. Ça, c'est désirable. Aménager, ça veut dire appliquer une fois de plus des standards. Il n'y a rien de pire que la standardisation. Et si on accepte tout d'un coup le découpage du zoning, comme c'est le cas aujourd'hui dans la plupart des mégalopoles, alors là, on est dans quelque chose de dingue. On explique le zoning? Le découpage. Le zonage, c'est le découpage des activités selon des zones, quoi. Et alors, on adore ici faire on ça. Ici, on dort, ici, on travaille. Alors, il ici faut, on s'amuse. Alors, quand on veut repenser, il faut tout repenser. C'est-à-dire que moi, il y a un mot là qui est complètement débile, c'est périurbain. Ça ne veut strictement rien dire. Les géographes entre eux ne sont pas d'accord. Mais on parle de ça comme une réalité. C'est faux. C'est le centre-bourg qui est périphérisé et ce qui se trouvait à l'extérieur qui devient un centre. Un centre commercial, un centre attractif, avec les cinémas, etc., etc. Donc c'est cette espèce de réorganisation du territoire qu'il faut penser. Donc pour ça, il faut peut-être qu'on relise aussi des auteurs. Moi, je pense à Bernard Charbonneau, qui a écrit « Vers la banlieue totale » en 1972. Et c'est d'une intelligence incroyable, et ça décrit exactement les situations dans lesquelles nous nous trouvons. Et alors, comme Cyril, vous le disiez tout à l'heure, l'incroyable consommation énergétique et les dégâts environnementaux causés par les grosses agglomérations devraient nous obliger à repenser cette question de la taille. Alors, il n'y a qu'un auteur qui a fait une étude remarquable, il s'appelle Paul Béroc, en 1974, il a fait une étude ce qui est sur la taille des villes, bon, pour les Nations Unies. Et il arrivait à 600 000, 800 000 habitants, en prenant tous les critères, la criminalité, le traitement des déchets, un éventail de trucs incroyables. Bon. Eh bien, cet auteur mérite d'être lu et puis certainement actualisé, rediscuté point par point, évidemment. Mais je pense que... C'est une question qui va se poser... Enfin, on va se la poser de plus en plus. Mais oui. Puisque si on veut réintégrer des modes de production vivrière, peut-être pas pour viser l'autonomie, mais en tout cas pour essayer de limiter au maximum l'importation de produits. Voilà, aujourd'hui, on a aussi des habitudes de vie qui font qu'on ne va pas pouvoir arriver à une autonomie totale. Mais non. Si on veut repenser de fond en comble sur tous les sujets cette question-là, la question de la taille, moi j'ai l'impression qu'elle revient de plus en plus. En tout cas, elle va s'imposer de plus en plus. Et parallèlement à ça, on a un développement... non pas de ville, mais moi ce que j'appelle de la matière urbaine, c'est-à-dire on construit, ça ne fait pas forcément ville, mais en tout cas, on construit pour y loger ou ne pas y loger des gens, en tout cas les loger dans certaines conditions, où il y a également de la production de villes informelles. L'Afrique va être un pays qui va produire, un des continents qui va produire une matière urbaine, pas forcément inintéressante. Hein. Il y avait des choses intéressantes dans ce que regardait Colas il y a quelques années sur Lagos. Il y avait tout ce qui est l'intelligence de la ville informelle aussi. Hein. Donc il y a aussi des choses intéressantes. Mais la question de la taille, il me semble qu'elle va se reposer de plus en plus. Donc, du coup, mais la taille, y compris la taille... Des entreprises. Parce que quand on y réfléchit bien, parce que non, on est informé de tout. On connaît plein d'alternatives. Il y a Colibri, mais il y a plein d'autres choses magnifiques qui se réalisent un peu partout. J'étais le président du Learning Center sur la ville durable à Dunkerque pendant 6 ans, quand j'ai fait faire des assises des villes en transition avec Bob Hopkins, bon, on a discuté, mais ou avec Carlo Petrini, bon, de Slow Food et de Slow Cheetah. Tout ça, je connais ça par cœur. Et à chaque fois, c'est tout petit.
c'est pas parce que c'est tout petit que c'est pas bien. Terre de Liens, 3000 hectares. Comment voulez-vous? Terre de Liens, on explique. Oui, Terre de Liens, c'est une association, ça peut être vous et moi, on met de l'argent dedans, et cette association achète des terres agricoles pour ensuite les louer à des agriculteurs, afin d'éviter que ceux-ci soient super endettés toute leur vie pour devenir propriétaires. Donc ils sont locataires à un tarif tout à fait modeste, et puis on les accompagne, comme on dit, pour foncière agricole. Leur agriculture. Bon, eh bien, 3000 hectares, au bout de plus de 10 ans d'exercice, d'existence, Terre de Liens. Donc c'est super sympa comme idée, moi je trouve ça magnifique, j'applaudis dès demain, et puis je me dis, incroyable, si peu, en un coup, en un chèque, des Chinois ont acheté à côté de Châteauroux deux fois cette taille d'hectares. Alors, quand même. Donc c'est là où... Moi, je veux bien croire que tous les partis politiques soient verts, parce que c'était le cas là, aux élections européennes, mais je ne les crois pas, parce que je vois que la conscience, la prise de conscience environnementale, elle avance à tout petit pas, à tout petit pas. Et la preuve en est qu'on construit encore partout en béton, en acier, en verre, avec des matériaux qui sont hyper coûteux en énergie pour les fabriquer, parce qu'ils sont remarquables. Ce sont des bétons, pas comme ceux de l'autre fou furieux, là, Le Corbusier. C'est des bétons beaucoup plus subtils, etc. Bon, les aciers spéciaux, tout ça, admirable. Mais ce n'est pas comme ça qu'il faut urbaniser l'Afrique. Parce que pour l'instant, l'Afrique... 123 centres commerciaux qui vont s'ouvrir en 2019. Eh oui, un centre commercial, c'est 600 à 800 emplois de moins dans des petits commerces aux alentours. Et puis, ce n'est pas ça, c'est que ça formate, ça façonne un mode de consommation. C'est ça qui est terrible. Après, on va être dégoûté de tout ce qui est vernaculaire. On dira, ah, c'est toi qui as fait toi-même cette bouffe. Ah non, je préfère le plat préparé par Danone. On n'a plus qu'à le mettre, à le glisser en 2 minutes dans le micro-ondes. Ah, t'as pas de micro-ondes. Et tu veux ville en ville en Afrique. C'est tous ces éléments-là qui sont... C'est pour ça que je parle d'écologie existentielle. Je pense que l'être humain, et c'est une évidence, mais il faut toujours répéter parfois des évidences, l'être humain, il est fondamentalement situationnel, il est relationnel et il est sensoriel. Et donc, il faut en permanence... exalter ces qualités-là pour que justement ils puissent se mettre en marche, comme dirait l'autre, sur le chemin du bonheur. C'est ça qui m'apporte le plus, moi. Et donc pour ça, ben, il faut soigner ce qui est situationnel, ce qui est relationnel, c'est-à-dire communicationnel, et puis ce qui est sensoriel. On a des villes qui puent, des villes qui sont dégueulasses. Ça commence par là. Donc il faut planter. D'abord, premièrement. Et à Paris, c'est l'inverse. Un quart de la cité universitaire internationale, en ce moment, est en train d'être bétonnée. C'est à la porte de Paris. C'est un lieu que moi j'adore, qui était vachement beau. C'est effrayant, quoi. Effrayant. Et alors les gens qui gouvernent Paris, ils sont capables d'avoir le discours comme nous, comme Colibri. Ils vont dire résilience, éco-quartier. Ils ont le même vocabulaire. Alors là ça ne va pas. Ils ont ce vocabulaire et ils font l'inverse. Donc, à un moment donné, il faut être clair sur les mots. Et il faut aussi voter sur des projets et des programmes. D'où la responsabilité aussi de chacun de nous dans son implication aussi sur ces problématiques. On passe aux questions de la salle ou quelqu'un veut réagir à ce qui a été dit? Non, moi je ne suis pas d'accord. Ou au contraire, je voudrais appuyer. Non. On passe aux questions de la salle ou aux remarques? Qui veut poser la première question? Ah. Il se passe quoi? Alors, dans un micro. Je vous donne le micro parce que c'est enregistré. On enregistre. Vous avez parlé de la cité universitaire. Il s'y passe quoi exactement? Pourquoi il bétonne? La cité universitaire, pourquoi il bétonne? Alors ça, il faudrait peut-être demander aux porteurs de projet. Je ne sais pas si ce ne sont pas des terrains ville de Paris, la cité universitaire. Ça appartient à une association spécifique qui a choisi de construire d'autres bâtiments. Voilà, ce n'est pas une décision parisienne. Quand on dit Paris, c'est Paris, mais ce n'est pas la ville de Paris. Non, non, non. On ne peut pas dire la faute de la ville de Paris. Alors, on s'exprime dans les micros.
Voilà, donc il y a tout un tas de programmes en cours, à la fois de réhabilitation et aussi de construction qui ont été lancés. Ça fait 5 ans, 6 ans maintenant, je crois, hein, que les projets sont engagés là-bas. Voilà. Quelques bâtiments ont été livrés, qui sont pas mal. C'est dommage, ouais. Tout simplement. Moi, je dis que c'est dommage parce que c'est un lieu magnifique. Alors, mais comme partout à Paris, en ce moment, on est en train de... Les espaces verts diminuent en superficie. Alors, il y a un nouveau projet qui est entre le Trocadéro et le Champ de Mars, avec une végétalisation du pont d'Iéna. Mais tout cela est encore provisoire. Mais en même temps, devant la maison de la radio, par exemple, où il y a l'avenue du président Kennedy, puis il y a une espèce de petit parking qui était, il y a très très longtemps, une station-service. Bon, bah, là, ça a été vendu par la ville de Paris à une université privée qui construit un immeuble de 4 étages. Alors qu'on vient de refaire la maison de la radio, dont le projet d'architecture studio était cette liaison avec le fleuve. Alors là, maintenant, manque de bol pour eux, il y a un bâtiment de 4 étages qui va être là. Place Mazas, c'est-à-dire derrière le quai de la Râpée, il y a un square qui va être supprimé, et là, on construit un immeuble de 9 étages. Mais rassurez-vous, dans le programme de l'immeuble, c'est coworking Fab Lab. Alors forcément, on trouve ça bien, on dit, oh, le maire, la maire, elle est géniale, c'est excellente. Donc là, il y a comité de riverains, contentieux, combat pour empêcher ce genre de saccage. C'est sans arrêt. Et quand je dis Paris, c'est parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Moi, j'habite en banlieue. Je réclame à chaque fois le droit de vote dans ma banlieue et le droit de vote à Paris et le droit de vote à Venise, parce que Venise ne va pas bien et j'aime beaucoup cette ville. Bon, ben non, je ne peux voter qu'une fois. Donc, vous voyez, on est à cette période où, quand on doit repenser notre situation de citadin, il faut repenser les territorialités du politique. Alors ça, c'est une autre paire de manches. Donc notre mode d'organisation politique à plein d'échelle. Une autre question? Oui, on vous donne un micro. Oui, enfin, merci à Monsieur Pacou d'insister sur les mots, parce que je crois qu'effectivement, est-ce que notre humanité se pose vraiment la question existentielle? Qu'est-ce qu'on fout sur cette planète et est-ce qu'on est vraiment écologique si on est mortel? Moi, je crois qu'il faudrait vraiment qu'on envisage l'immortalité pour être écologique. L'immortalité ici et maintenant et la fin de la génétique. Il faut, si on veut vraiment être heureux sur cette planète, peut-être qu'il faut vraiment qu'on fasse autre chose, et, enfin, autre chose que justement notre société qui consiste à consommer et qui rend ça désirable. Est-ce qu'on ne veut pas vraiment réfléchir à... Est-ce qu'on ne voudrait pas autre chose? Mais que là, du coup, ça nous met... C'est une vraie révolution du corps, enfin, de notre rapport à la mort, parce que c'est la mort qui fait qu'on achète des choses dont on n'a pas besoin. Si on Alors, était... moi, je ne comprends pas très bien le rapport avec la mort. Je crois que je ne suis pas le seul autour de cette... Mais gardez le micro, madame, parce que je suis toujours intéressé par les questions que je ne comprends pas. C'est que je crois qu'en tant qu'humanité, on ne se pose pas la question de l'existence. C'est pour ça que ça ne marche pas et que alors on se fait avoir. On est des consommateurs et non pas des personnes conscientes, agissantes. Bah, c'est ça ou pas? C'est pas ça, c'est qu'on a plus de, on a plus, on ne cultive plus l'art de mourir. C'est-à-dire qu'on considère que la mort va être vaincue prochainement, que par conséquent, ce n'est pas la dernière action de chacun d'entre nous, mais quelque chose qui relève d'une dépendance médicale. Hein, c'est Ivan Illich, j'ai eu la chance d'être très ami avec lui. Ivan Illich était toujours sidéré. Il rencontre un de ses amis, lui dit « Comment vas-tu ? » Et le gars lui répond « Je te le dirai demain quand j'aurai mes résultats médicaux. » C'est ça que vous voulez dire. C'est que du coup on s'absente. La technique, le progrès résoudra les choses. On s'absente de son corps. On ne connaît plus sa propre souffrance. On ne connaît plus les limites de son propre corps. Et on délègue notre fin de vie à une institution qui s'appelle l'hôpital. Alors ça, c'est effectivement une perte fondamentale. Et donc je pense que la réappropriation de son... Parce que l'existence, et là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec Martin Heidegger, c'est que l'être humain, il est un être jeté pour la mort. À peine né, le compte à rebours commence. Il sait qu'il va mourir.
Et c'est parce que nous savons que nous allons mourir que nous avons essayé, parfois désespérément, de faire monde avec le monde. C'est-à-dire de venir, on vient au monde, et avec notre monde, on va essayer de le déployer parmi d'autres mondes qui sont déjà là. Hein, c'est la phrase très connue de Georges Perec dans Espèce d'espace, hein, quand il dit la vie, c'est traverser des espaces en essayant de ne pas se cogner. On a répondu à votre question, madame. Très bien. En tout cas, on a entendu votre souci. Et cette question-là. Qui veut poser une question? Alors, on revient peut-être vers les, si ce n'est les villes désirables, en tout cas, de quelles villes nous voulons? À travers des lectures ou des témoignages, j'ai l'impression, qui peut-être est complètement fausse, que... Une ville dont on dit qu'elle est très désirable, c'est la ville de Nantes. Je crois qu'on dit souvent ça, la ville de Nantes. La ville de Bordeaux aussi, récemment. Alors Bordeaux aussi, effectivement. Et j'avais envie de vous demander quelle était votre impression sur Nantes ou sur Bordeaux comme ville désirable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est du storytelling? Qu'en pensez-vous? Alors, il y a des sondages récents qui ont placé Bordeaux, effectivement, en première position de la destination où souhaiteraient venir habiter les personnes qui se projetaient dans une mobilité à court ou moyen terme. Et Nantes a occupé cette place pendant aussi de nombreuses années. Rennes aussi, pardon. J'en déduis que vous voulez répondre. Non. Vous voulez qu'on réagisse à quoi? À ces sondages? Ce sont des sondages. Il y a des effets de mode. Il y a aussi une évolution sur Bordeaux. Une ville qui a énormément muté. Pas forcément dans le bon sens. Certains projets qui sont menés dans le secteur atlantique, personnellement, m'horrifient, moi qui suis bordelais. Mais c'est vrai que c'est une ville qui a été métamorphosée en une vingtaine d'années. Et puis qu'il y a eu une certaine visibilité aussi avec le classement mondial de l'UNESCO. Oui, Cécile Maisonneuve. Sans vous répondre spécifiquement sur Bordeaux et Nantes, moi j'ai participé au groupe de travail qui a monté Terra Nova et qui a donné lieu au rapport Habiter dans 20 ans, qui essaie de donner une image de ce que sera la France de l'habité dans 20 ans. Et on parle bien d'habiter, pas seulement se loger, mais on a voulu travailler sur le croisement entre logement et mobilité. Et ce qu'on voit, les cartes sont tout à fait frappantes, et je vous invite à les regarder dans le rapport, c'est des cartes qui viennent du commissaire général à l'égalité des territoires, c'est cette littoralisation extrêmement marquée de la France de 2040, une France en U. Ça part de Normandie, ça descend tout le littoral atlantique et ça repart vers le littoral méditerranéen. Et c'est déjà le cas aujourd'hui, mais ça va encore s'accentuer. Donc à travers les exemples que vous donnez de Bordeaux et de Nantes, c'est aussi ce mouvement-là qui est à l'œuvre. Et ce qu'on voit aussi sur ces cartes, c'est une accentuation de ce que les géographes appellent la diagonale du vide. Alors pour se rassurer, on peut regarder une autre carte qui a été faite par les Allemands sur la densité des différents pays européens. C'est une carte de 2015 où on s'aperçoit que par rapport aux autres pays européens, la France reste un pays avec une harmonie des densités remarquable. Une bonne répartition de la population. Voilà, par rapport à une Allemagne où vous avez un dramatique... L'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est existent toujours du point de vue des dynamiques démographiques. Vous avez une Europe de l'Est qui se dépeuple à grande vitesse et où là, la diagonale du vide, elle va de l'Estonie à la Roumanie. Donc voilà, moi, ce que je peux répondre en gardant une focale beaucoup plus large. Notre réaction sur ces villes, Thierry Paco, non, oui, Bordeaux. La question de Bordeaux, c'est que le Bordeaux maintenant va être dans des vignobles anglais avec le réchauffement climatique. Le vin va se produire en Angleterre. Ouais. Donc moi, si j'habitais Bordeaux, c'est pour boire du Bordeaux. Donc si je vais déménager en Angleterre... On pourra commencer à boire, continuer à boire du vin, je veux dire. Les viticulteurs bordelais ont bien saisi qu'il y allait se passer quelque chose en termes de cépage. Et ils ont déjà commencé à tester du Syrah, tout un tas de cépages qui habituellement poussaient un petit peu plus au sud. Donc n'ayez crainte, il y aura du Bordeaux même dans 20 ans, si c'est ça qui vous inquiète. Une question? Oui, la question s'adresse à M. Paco. Quelle est votre ville désirable en Europe? Quelle est votre ville désirable en Europe?
En Europe, j'en ai pas. Et ailleurs ? Non, mais c'est l'expression, c'est comme... Non, mais pas désirable, on leur remplace. Quelle est la ville qui vous semble la plus adaptée au mode de... Finalement, est-ce qu'il y a des exemples de villes ou de villages, peut-être ? Enfin, est-ce qu'on... on n'est pas obligé de... Il met la focale où il veut, enfin, il met le... D'accord. Alors, vous avez toute liberté pour... Non, mais ça dépend à quel moment de ma vie, mais... Moi, aujourd'hui, je voudrais bien vivre dans plusieurs villes en même temps, si je puis dire. C'est-à-dire que des villes de... alors, c'est très compliqué parce que... Générer du carbone, c'est ça ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que, non, c'est très compliqué parce que le nombre de la population ne suffit pas pour exprimer ce que c'est que cette ville, puisque, on le sait très bien, Florence du Quattrocento était d'une très grande créativité, alors qu'elle était... pas si peuplé que ça par rapport à des villes. Donc il n'y a pas de rapport d'échelle à ça, en d'autres termes, si vous voulez. C'est pas parce que la ville sera beaucoup plus peuplée, c'est la thèse de Geoffrey West, qui a sorti son livre récemment aux États-Unis sur la notion d'échelle. Lui, il est persuadé que si une ville double de taille, de 2 millions et passe à 4 millions, alors tout fait plus que doubler. Donc la qualité de la vie fait plus que doubler, double plus 15%. Je ne sais pas comment ils calculent ce 15% de plus. Alors moi, je pense qu'il n'y a pas de rapport aussi mathématique comme ça. C'est-à-dire que, parce que la ville, c'est avant tout des gens, c'est une histoire, c'est un paysage, etc., etc. C'est une climatique. Et donc, par conséquent, il y a des villes, en y passant comme ça, un peu furtivement, je me dis, elle est à la bonne échelle pour moi. Mais je ne pourrais pas l'imposer à tout le monde, évidemment. Alors, je ne peux pas répondre à votre question parce que je devrais donner un nom et en fait, je ne connais pas assez bien ces petites villes. Ce que je vois, c'est qu'il y a des petites villes qui, il y a quelques années, quand j'y suis passé, me plaisaient beaucoup, comme Périgueux, par exemple, comme Albi, comme des villes comme ça, qui sont aujourd'hui sinistrées à cause, en particulier, de ceux qui les assassinent, qui sont les centres commerciaux, mais qui sont réclamés par les élus et par la population. C'est là où c'est très compliqué. J'étais à un débat sur France Culture le jour avec Leclerc, le patron de tous ces centres commerciaux, et qui me dit tout de suite je vais tout de suite dire, pour éviter un débat critique avec moi, il dit, je tiens tout de suite à préciser à Thierry Pacaud que je suis le premier libraire de France. Ce qui est vrai, en chiffre d'affaires. Oui, mais je lui dis, peut-être, mais est-ce qu'on y trouve tous les livres ? Voilà, ça, c'est une autre question. Et la réponse est non, évidemment. Bon, donc, alors il a voulu faire le malin, il m'a dit, donnez-moi un titre, il sortit son truc, là, donnez-moi un titre, je vais tout de suite vous dire si vous le trouvez chez Leclerc. Bon, j'ai donné un de mes titres. Ben non. Bon, voilà, après, il n'y était pas. Je me demande si Amazon n'est pas passé devant. Je ne sais pas si ce n'est pas Amazon, le premier libraire de France. Oui ? On vous écoute. Bonsoir. Moi, je défends plutôt l'idée que les initiatives citoyennes, locales, soient mises en réseau. Enfin, je pensais ça. Et dans l'idée qu'il y ait plus de force, que les forces, au lieu que ce soit des initiatives isolées, soient mises en réseau et plus de poids. Et le mois dernier, Julien de Normandie a mis en place un rapport, ou plutôt un budget, pour créer des tiers-lieux, en créer des nouveaux ou accompagner ceux qui existent, dans l'idée de créer des Fab Labs, des Living Labs, des toutes sortes des coworking. Et dans l'idée de former des gens dans toute la France sur l'inclusion numérique. Et voilà, ma question, c'est est-ce qu'on ne va pas vers une forme, encore une fois, de standardisation et de... Est-ce que les tiers-lieux, est-ce que c'est vraiment leur vocation ? Enfin, voilà, c'est une question par rapport au temps, aux initiatives locales. Mathieu Labonne nous répond. Je pense que cette distinction entre un réseau et une fédération, pour moi, en tout cas, nous, c'est ce qu'on voit. C'est de créer vraiment un réseau, ça suppose, en fait, un cadre qu'il faut se donner. Des cadres juridiques, des cadres de fonctionnement, des cadres presque de propriété intellectuelle. C'est vrai que nous, on se pose la question, je prends un exemple, le terme oasis. Donc Pierre Rabhi l'a conçu il y a 25 ans. Au départ, il y avait une forme extrêmement figée, qui était celle d'un manifeste pour les oasis, très définie, des lieux en milieu rural, autonomes, sans forme de tradition spirituelle qui les relie, etc. Donc il y a une sorte d'idéal
qu'est-ce qui se passait? Il y avait 8-9 lieux dans ce réseau. Donc, vous ne faites pas réseau à 8 ou 9. Hein, parce que qui dit réseau dit des inactifs, des proactifs et des réactifs. Et dans un réseau, tous les grands réseaux, on voit qu'il y a un pourcentage d'actifs qui est toujours limité et d'inactifs qui est toujours très grand. Donc, si vous voulez qu'un réseau fonctionne comme un réseau, il faut être nombreux. Et si vous êtes nombreux, il ne faut pas forcément trop définir. Moi, ce que j'ai fait justement en arrivant à Coimbra 2014, j'ai dit on sort cette définition des oasis qui est extrêmement restrictive et on va intégrer des oasis urbaines. On va intégrer des oasis religieuses, même carrément des monastères qui ont rejoint le réseau Oasis. On va intégrer justement des lieux qui ne sont pas des lieux de vie, mais qui sont des lieux ressources, parce que tous ces lieux ont des problématiques communes. Et on a essayé de vraiment jouer au maximum cette question de la diversité. Donc Oasis, ce n'est même pas un label, c'est ce qu'on appelle nous une marque collective. C'est-à-dire que même juridiquement, on a déposé une marque qui n'appartient pas à Colibri, qui appartient à toutes les oasis de France. Donc on a essayé d'éviter, et même pareil, toutes les productions sont mises en licence libre, on a essayé de des questions juridiques, de comment éviter de standardiser, finalement. Donc c'est intéressant, et aujourd'hui je pense que la force en tout cas de ce réseau-là, qui a beaucoup de limites aussi, c'est justement d'arriver à faire se parler. Moi, ma plus grande victoire, c'est quand je vois un festival des oasis, il y en a un chaque année, je vois un moine bénédictin qui parle avec un zadiste et qui partage justement de l'expérience de vie collective, parce que c'est ça aussi l'expérimentation du collectif, l'expérimentation aussi de leur technique architecturale ou d'éco-construction ou d'agriculture ou de permaculture ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que moi, je trouve que ce qui est important, je trouve, c'est d'essayer, tout à l'heure, vous parliez du terme de diversité. Mais je sais que nous, je peux dire un exemple d'un truc qu'on n'arrive pas à faire à Colibri, auquel on se bat aujourd'hui, c'est qu'on a un mouvement qui prône la diversité et qui intègre la diversité. On essaie de l'intégrer, mais on n'arrive pas à articuler la diversité. C'est-à-dire qu'on veut créer justement du consensus. Et qui dit consensus, on se perd. Quoi. La différence entre consensus et consentement, c'est une question de gouvernance. Et je trouve que c'est un bel enjeu. C'est pour ça que nous, à Colibri, on parle aujourd'hui d'un enjeu, qu'un enjeu s'appelle d'archipélisation. C'est même Colibri qui est devenu trop gros. Moi, je prône le fait de casser Colibri, en fait, aujourd'hui. Parce qu'on crée de la pensée unique dès qu'on devient une pensée continentale trop grosse. Et de travailler sur cette archipélisation, c'est-à-dire de fonctionner en réseau et non pas en structure, en fédération, je trouve que c'est un enjeu fondamental. Et alors, moi, c'est des questions dans lesquelles je barbote, hein, j'essaie de réfléchir à ce que ça peut vouloir dire, parce que moi, clairement, si toute forme de pensée, y compris la pensée auquel je crois, devient une forme de monothéisme, de pensée unique, etc., moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Et je pense qu'on aura perdu, finalement, une guerre idéologique, celle d'aujourd'hui. C'est de sortir des idéologies, justement, pour retourner vers un monde des idées qui savent être en désaccord. J'aime beaucoup la question des désaccords féconds. On avait un débat dans l'Assemblée générale de Colibri pendant 2 jours, là, vendredi et samedi, on a travaillé sur les désaccords féconds. On a passé notre temps à débattre, ce qu'on ne savait pas faire. Hein. Colibri, c'est bienveillance, qu'on soit tous d'accord, on s'entende bien. Et là, on essaie de creuser cette question du désaccord. Et voilà. Et donc, pour la question des tiers-lieux, etc., moi, le mouvement des tiers-lieux, j'en pense pas que du bien, de ce que j'en vois là aujourd'hui, parce qu'il se tend effectivement à se standardiser, avec aussi, je vais être peut-être un peu provocateur, mais il y a une réappropriation de ces concepts-là par des institutions. Et je crois que ça n'aide pas le concept lui-même. De la même manière que l'habitat participatif, aujourd'hui, ceux qui ne marchent pas, c'est ceux qui sont portés par des collectivités territoriales. Moi, c'est comme ça que, en tout cas, je le vois. Parce qu'il faut mettre au cœur de ces processus une stabilité individuelle. Et tout ce qui va tendre d'instabiliser les personnes, d'être créatives, d'être uniques, etc., c'est des processus qui vont faire mourir, finalement, le concept. Et ça, ça demande, pour des structures, et je peux le dire, surtout qu'il y a un égo, hein, les structures, elles ont des égos comme les individus, d'arriver à se remettre en question. Et de penser à nos propres morts. Moi, je trouve que mon objectif, c'est de faire mourir Colibri. C'est notre objectif aujourd'hui. Et voilà. Donc, c'est des tensions dans toutes les organisations qui sont importantes. Et on peut être une association qui fait de l'écologie, on peut être ces grandes multinationales d'une autre façon, quoi. Donc, d'arriver à sortir de ces processus-là, c'est un enjeu important. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, sur la question de ces Fab Labs, etc. Moi, je suis pour que, justement, les gens n'essayent pas de copier... Alors, il faut des fois copier-coller, faut savoir... On dit Fab Lab Coworking, mais enfin, si on peut creuser un petit peu, expliquer une Fab Lab, c'est quoi? C'est aussi un endroit qui peut être associé à une ressourcerie où on vient réparer des choses. Oui, c'est pas, le concept et le besoin on est très intéressant. On n'est pas moqueur quand on dit Fab Lab ou quand on dit Coworking. Non, je suis en train d'en créer un Coworking. Voilà, le Coworking non plus, c'est pas forcément un outil dont on doit se moquer. Ça a du sens, y compris environnementalement. La question, c'était exactement sur
sur... on diffuse ce nouveau type de programme qu'on appelle tiers-lieu, où on trouve un petit peu de tout, et en quoi ça peut... C'est une vraie question. Est-ce que ces tiers-lieux ont besoin d'initiatives vraiment très fortes et de créativité, en effet? Et est-ce que ce type de choses qui peut être très intéressant pour chaque territoire, est-ce que ça peut s'inculquer du haut? Enfin voilà, c'est une vraie question. La question, c'est, hein, c'est d'où vient critique, l'initiative finalement? En effet, je trouve ça, voilà, ce qui manque à la France, c'est toutes ces villes en déclin, et de recréer une dynamique, ça peut passer par là. Dans du fait que je pense que c'est vraiment l'économie, la vraie, d'avoir du travail qui permettra de faire revivre les petites villes. Mais voilà, est-ce que ça peut inculquer vraiment une dynamique, et est-ce qu'on se trompe, ou est-ce que c'est un vrai départ? C'est vraiment une question, il n'y a pas de moquerie derrière moi, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose autour de l'inclusion numérique qui est l'élément directeur de tous ces tiers-lieux. Ça, c'est une autre question que je me pose. Est-ce que c'est, si j'ai bien compris le rapport, est-ce que c'est aussi la bonne orientation? Ok. La question, c'est on impose une forme de modèle de choses devenues du haut aussi. Juste un tout petit élément, parce qu'on a aussi travaillé sur ces questions de tiers-lieux, de coworking, etc., d'un point de vue temporel, parce que ça permet aussi de réintroduire de la proximité, de réintroduire du lien social, du dynamisme sur des territoires qui aujourd'hui... dépeuplait en partie, où on n'avait pas de vie en journée. Deux choses que je voulais dire. D'une part, c'est que ça marche seulement si ça correspond vraiment aux besoins du territoire, etc., que ça vient bien d'une initiative locale et pas en suivant un mode d'emploi unique, uniforme, proposé par le haut. Par contre, aujourd'hui, l'équilibre économique de ces lieux est très fragile, et sans soutien, y compris national, ils ne survivent pas plusieurs années. Parce qu'après un portage militant presque des porteurs de projets dans les premières années, il y a un certain épuisement, et on a vraiment des questions de ressources pour ces lieux-là. Donc le fait que à l'échelle nationale, il y a une réflexion sur ces lieux-là. Si ce n'est pas pour imposer un modèle unique, mais bien pour soutenir les initiatives locales, je trouve que c'est plutôt un bon signe. Mais voilà, il faut trouver le bon équilibre. Je veux rappeler que quand le terme est inventé aux États-Unis, en 1989, c'est pour désigner d'autres affectations de certains lieux. Par exemple, le café, la librairie, deviennent à ce moment-là des tiers-lieux, ils sont appelés comme ça, parce qu'on s'y retrouve pas seulement pour boire un verre, mais pour travailler une après-midi, pour monter quelque chose, etc. Donc du coup, c'est une formule assez comment dirais-je, improvisée d'une certaine manière. Et elle est reprise assez rapidement, cette notion de tiers-lieux aux États-Unis, pour essayer de réfléchir à ce que serait une ville conviviale. Donc c'est repris dans ce vocabulaire illichien, enfin d'une certaine façon. Et alors c'est vrai que la convivialité, c'est ce qui permet la plus large autonomie de chacun. Ce qui fait que, peu importe l'appellation, ressourcerie, coworking, Fab Lab, etc., peu importe, moi je pense que toute initiative et toute expérimentation est à soutenir. Parce que c'est par les expérimentations qu'une population éprouve à la fois sa capacité à s'auto-organiser et éprouve la possibilité de transformer son monde, pas le monde. Ça, malheureusement, je crois qu'on est mal barré pour le faire. Oui, mais on a aujourd'hui des rapports d'échelle. On peut transformer son monde à son niveau, mais on est juste impacté par des choses qui se passent à l'autre bout de la planète. Voilà. Et ce dilemme-là, il n'est pas résolu. Hein. Non. C'est-à-dire, l'application locale, notre espace, ville ou en tout cas lieu de vie et relationnel que l'on peut construire localement et dont on peut être fier parce que ça permet de développer ci et de faire ça et que ce sont des valeurs et tout ça, ne dit rien de ce qui arrive et que l'on subit et malgré nous peut-être, mais en tout cas voilà. Donc la question, c'est aussi
comment on change d'échelle. C'est la même question que vis-à-vis de, finalement, d'une ville constituée comme Paris ou comme Bordeaux aujourd'hui, parce que il y a des quartiers à Bordeaux qui se sont construits dont on peut s'interroger de la pertinence, enfin, par rapport d'abord à ce qu'est, à la géographie de la ville, à son fonctionnement, la façon dont on la vit, voilà. Et cette question de voilà faire des choses à un niveau local. Et c'est vrai que vous disiez les porteurs de projets s'essoufflent, mais il y a énormément de projets. C'est une personne, notamment dans les campagnes, c'est une personne qui est à l'origine de ça, de ça, de ça, parce que cette personne, elle a un certain charisme, elle a une certaine ouverture d'esprit, elle a un certain savoir-faire. Cette personne part pour X raisons, les choses s'écroulent. Ouais, et on peut pas rester vis-à-vis de cette fragilité. Enfin, il y a l'articulation des échelles, elle doit être importante. Donc c'est sûr qu'il faut pas trop organiser. Il faut permettre l'émergence, mais il faut aussi quelque part une forme de pérennisation de ces dynamiques. Oui, juste, nous on essaie d'avoir une démarche qui passait d'une logique d'intention à une logique d'attention. C'est-à-dire de sortir de cette logique. Voilà, c'est vraiment une démarche de gestion de projet presque, dans les projets qu'on met en œuvre, d'essayer de sortir de cette tentative de toujours planifier, qui sans doute est utile, hein, je ne critique pas ça, mais en tout cas, nous, c'est un travail de déconstruction aussi, pour non plus être dans l'intention pour l'autre, mais essayer d'être attentif à ce que nous dit l'expérimentation. Donc moi, le changement d'échelle, aujourd'hui, je ne sais pas le planifier. Je sais qu'il y a 880 oasis, je sais que j'espère que dans quelques temps, il y en aura encore plus, mais je ne sais pas aujourd'hui le planifier. Parce que les outils qu'on construit pour accompagner ça sont en réponse à des besoins qui nous sont exprimés et qu'on découvre. L'exemple de la coopérative Oasis, qui est un outil de financement, ce n'était pas du tout une intention de départ. On va prendre à bras le corps la question du financement. C'est qu'une, deux, trois, dix Oasis viennent vers nous en disant bah, notre emprunt bancaire il a été refusé parce que... Et voilà. Et donc, c'est comme ça qu'un réseau peut se structurer, à mon avis, par rapport, encore une fois, à une logique fédérale, qui, à mon avis, peut tuer des belles idées. C'est une logique d'être en capacité d'entendre les témoignages des expérimentations pour donner un peu le pas d'après. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en œuvre, parce que face à quelque chose où, en plus, il y a justement des projets qui ont des réseaux d'aide très spécifiques, et c'est ce qui fait la force de ces projets, c'est d'incarner vraiment quelque chose. Chacun des projets incarne des valeurs qui sont... C'est là aussi où créer un écolieu, un état participatif, ce n'est pas une raison d'être. Ça ne marche pas. Si des gens se rassemblent pour créer un état participatif, ce qui va rassembler les gens, faire que ça marche, ce sont des valeurs, une raison d'être commune, qui peut être le lien intergénérationnel, qui peut être des dimensions sociales, qui peut être la question de l'autonomie. Voilà. C'est un discours, c'est un projet. C'est un récit. Nous, évidemment, on parle beaucoup de la question du récit. La question du récit est importante. Et ça, y a sans doute un récit collectif que nous, on a besoin de faire et qu'on fait. On voit que le terme oasis, il dit quelque chose, etc. Mais on essaye de faire très attention, d'être dans sa limite, d'un récit collectif qui ne prend pas le pas sur les récits des initiatives qu'on a envie de continuer à voir se développer. Et moi, je n'ai pas de réponse, c'est juste que je vois que c'est ce qui a fait que ce réseau qui ne marchait pas aujourd'hui marche. Cette capacité à ne pas s'approprier le récit de l'autre. Et ce n'est pas simple. Oui. Sur l'échelle, parce que, en fait, le mot ville, comme vous le savez, est évidemment très ambigu, puisqu'il désigne à la fois une agglomération de 2000 habitants ou une mégalopole de 30 millions. Donc, mais une chose est certaine, c'est que le devenir urbain du monde, il passe par de nouvelles configurations territoriales. Et c'est pour ça que moi, personnellement, je suis très intéressé par l'école territorialiste italienne, que j'essaye de faire connaître en France, hein, qui a été fondée par Alberto Magnaghi, et qui s'inspire aussi de Patrick Guedes, qui était un des premiers à travailler sur la notion de région urbaine. Et ça a été repris ensuite aux États-Unis par Lewis Mumford et tout un courant dans les années 1923-1927, puis ensuite, aujourd'hui, par Kirkpatrick Sell. Donc je pense que c'est une notion intéressante, parce que du coup, pour répondre à la question du monsieur tout à l'heure, qui est une très bonne question, voilà, quelle est ma ville ? La question de l'échelle, là, c'est la région. Donc la biorégion, elle peut très bien avoir 5-6 villages, 150 hameaux, une ville moyenne de 20 000 habitants, une de 100 000, etc. Mais que du coup, la grosse ville ne serait pas la capitale régionale, comme c'était le cas auparavant. Alors, c'est quoi, expliquer ? Parce que là, c'est quoi ? C'est une biorégion urbaine. Alors, il faut savoir ce que c'est qu'un territoire. Biorégion, mais c'est quoi une biorégion ? Une biorégion, donc, alors, le territoire n'est plus découpé administrativement. Ok. Hein, canton, département, taratata. Mais en projet ?
Alors, il y a un projet, et ce projet, il est porté par des mouvements associatifs très divers, qui viennent de villages ou de petites villes différentes. Je pense en ce moment à la biorégion qu'Alberto Magnaghi est en train de mettre sur pied en Toscane, et qui est très très riche, qui commence par une étude territoriale. Et le territoire a une définition très simple. Le territoire résulte non pas d'une décision administrative, le territoire résulte d'un acte d'amour entre une population et un site. Donc du coup, on voit bien que le redécoupage, les 13 régions françaises, ça ne résulte aucunement d'un acte d'amour entre une population et un site. C'est un truc de décision technocratique. Du reste, il ne faut pas oublier une chose, c'est que quand le gouvernement socialiste, entre guillemets, de l'époque, a décidé de passer de 24 régions à 13 sans aucun débat public, eh bien, en même temps, ce qui allait suivre, c'était la réduction des 36 000 communes à 7 000. Bien avoir ça en tête, c'est qu'il y a une vieille obsession européenne de donner, ce que vous disiez tout à l'heure sur l'enquête de 2015, c'est très bien, hein, c'est que c'était d'obliger la France à avoir le même nombre de villes que l'Italie, que l'Allemagne, etc., que l'Angleterre. Moi, je pense au contraire que les 36 000 communes redéfinies autrement, évidemment, avec peut-être des mandats d'un an pour les élus qui seraient tirés au sort de ces petites villes, eh bien, permettraient d'activer ces nouvelles biorégions qu'il faut évidemment d'abord décrire. Alors, l'idée de récit. Si la description, c'est un projet, on ne peut pas en un an construire un projet. Exactement. Enfin, là, il y a un truc qui ne fonctionne pas là. Hein. C'est pour ça qu'il faut du temps. Et alors, en Italie, là, il y a deux grands projets qui existent, un sur les Pouilles, un sur la Toscane, mais c'est porté par une multitude de mouvements sociétistes. Mais ça existe déjà en France des gens qui sortent du périmètre administratif, qui s'affranchissent de ces oui, limites administratives pour faire des projets. Enfin, on est déjà dans ce type de choses. Oui. Y compris même, ça a été le cas au début, ce qui n'était pas encore le Grand Paris, mais la conférence métropolitaine, où il y a eu aussi un désir commun de penser les choses au-delà des limites administratives du périphérique. Moi, je participe à un groupe, une association du Chinonais, donc la région de Chinon, qui a décidé d'entrer en transition. Voilà. Donc à partir de là, eh bien, donc évidemment, il faut se libérer des contraintes administratives françaises, d'une part, et d'autre part, il faut avoir plein d'idées et mettre en place, alors effectivement, une viticulture bio, etc., qui se met en place très lentement, paraît-il, bon, etc., etc. Donc entrer en transition, ça va être vraisemblablement, c'est commencer à Grande-Synthe, c'est aussi ce que Éric Piolle veut faire à Grenoble. Ça commence à prendre. Bon, on connaît tous l'exemple du Gürzheim, parce que Marie-Monique Robin a fait un film magnifique sur cette expérience-là. Mais je pense que c'est par ce biais-là que progressivement, on va reterritorialiser et casser le dualisme habituel, parce que repenser autrement, ça veut dire casser les dualismes. Et je pense que le couple global-local n'est pas un bon couple, parce que ça ne marche pas comme ça. Mmh. Parce que, comme vous l'avez très bien dit, dans le local, il y a du mondial. Et dans le mondial, il y a du local. Mmh. Donc il y a des interférences telles qu'on ne peut plus réfléchir avec ce vocabulaire daté qui n'exprime pas les véritables transformations. Et j'insisterai sur le temps, parce qu'il n'y a pas de territorialité d'existence sans les temporalités. Ça va ensemble. Et pour l'instant, on les a traitées séparément. Donc il faut réarticuler temporalité et territorialité. Et aujourd'hui, on constate que la temporalité, et le rapport au temps, tout bêtement, il est plutôt dans des zones moins urbaines. Et c'est aussi là qu'il y a le plus de créativité. C'est-à-dire peut-être la ville de demain, elle ne s'invente pas dans la ville, peut-être aujourd'hui, elle s'invente ailleurs. Et on voit des territoires, tout petits territoires, extrêmement dynamiques. Parce que tous ces objets de coworking, enfin là, tous ces lieux un petit peu chou qui aujourd'hui sont marketés à grand renfort de slogans, ils ont été inventés dans des petits bleds, hein, des petits bleds qui étaient, c'était le besoin qui faisait que, oui. C'est pas vraiment en lien, mais c'est quelque chose qui pour moi est important, c'est témoigner. Et après, on donne la parole à madame. Pardon, oui, après, c'est, je sais pas. Là, on vient de finir une formation qui a duré 2 mois, où on a pris 22 élèves, c'était de très grandes écoles, notamment des polytechniciens, à qui on a fait expérimenter la transition pendant 2 mois. On les a plongés dans une vie communautaire dans un château en Seine-et-Marne. Ils préparaient leurs légumes, ils ont été découverts des oasis. Voilà, ils ont fait beaucoup de choses. Les polytechniciens ont des stages communautaires. Voilà. Non, c'est à la fin, après leurs études, notamment deux qui rentrent après au corps des mines, quand même, donc ce qu'ils auront des certaines responsabilités à terme, sans doute. Et donc là, j'étais à la remise de diplôme qui était le week-end dernier.
Quelque chose qui a beaucoup marqué, parce qu'ils ont été rencontrés justement des gens sur les territoires, c'est justement cette notion d'un ancrage. Moi, alors après, voilà, moi je sais que pour moi, moi j'ai grandi en banlieue parisienne, c'est-à-dire j'ai grandi nulle part. J'ai grandi dans une petite HLM en Méridienne, pour moi je ne suis de nulle part. Et vraiment je le sens, je suis de nulle part. Et que je sais que même si ce n'est pas forcément un besoin vital en moi, aujourd'hui je suis dans un territoire qui est le début du Perche, et ben j'essaie de retrouver ce lien avec ce territoire. C'est-à-dire que la vie désirable pour moi, ce n'est pas une question que je me pose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à quel moment est-ce que je vais quelque part pouvoir m'ancrer dans un territoire, dans une culture locale. Et je trouve que ce qui pourra permettre, que ce soit en ville ou à la campagne, de recréer ces espèces de cultures locales, ce sera extrêmement précieux. Parce que je pense que beaucoup de gens, ce sera précieux. Ce sera extrêmement précieux parce que je pense que... Ouais, c'est peut-être, on manque de repères. On est beaucoup à manquer de repères. D'ancrage à la terre, d'ancrage à une tradition, d'ancrage à un certain nombre de choses. Surtout pour des bonnes raisons, on a aussi évacué tout ça. Mais je pense qu'il ne faut pas jeter bébé avec l'eau du bain, disons. Et que moi, en tout cas, je vois beaucoup de gens qui cherchent à retrouver ça. Alors, encore une fois, je parle de ce que je vois. Donc, je n'ai pas une vision nationale, je n'ai pas une vision de tout. Et moi, ça m'intéresse. Moi, qui m'avait marqué au départ. Donc, ça a dû être quelque chose de la production de la culture. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que j'habitais en Inde, notamment dans une ville qui s'appelle Auroville, vous devez connaître, qui est une utopie depuis pas mal d'années. Et j'étais fasciné parce que c'est une ville où ils sont 3000 habités, donc c'est quand même assez grand. Mais la production culturelle d'une communauté de 3000 personnes où tout le monde coproduit la culture, c'est énorme. Les gens fabriquent des spectacles qu'ils font entre eux dans des petites communautés. Et moi, c'est ce qui m'a marqué aussi, c'est-à-dire de dire... C'est la manière que faut se réapproprier la question de l'agriculture, l'éducation, se réapproprier la culture, la production culturelle, je pense que c'est quelque chose d'important. Et ça, ça passe aussi par ce lien à des traditions, à des danses, à des chants, à des choses comme ça. Et je vois, dans la permaculture, c'est assez fort, et c'est un besoin de beaucoup de gens aujourd'hui, de se rencrer. Et notamment, deux polytechniciens, ils sortaient de cette formation et ils disaient... Bah moi, j'ai trouvé... Un qui disait mon lieu d'ancrage, c'est le château où on était. Désormais, je veux en faire un lieu d'ancrage pour moi. Je veux pouvoir y revenir et créer un lien avec un paysage, avec des saisons, avec un lieu qui va bouger sur les années. Donc, ça demande aussi du temps parce que voilà, créer justement une oasis ou un lieu comme ça, ça prend souvent pas mal d'années. Des années. Madame. Et ce sera la dernière question. Alors, tout d'abord, vraiment, merci pour cet échange extrêmement riche. Que ce soit autour de la table ronde ou les participants sur les thématiques d'ancrage territorial, des tiers-lieux, etc. Alors, je vais essayer de résumer rapidement, mais parce qu'en fait, j'ai trois questions. Vous voulez résumer vos questions ? Ça va être très rapide. Vous acceptez qu'on résume les réponses ? Non, c'était une blague. Ouais. Donc, à Madame Dameron, puisque vous êtes de Rennes, je voulais que vous puissiez parler un petit peu plus de l'Hôtel Pasteur, qui est justement un projet, peut-être de tiers-lieu, en tout cas d'un lieu hybride, décloisonné, non programmé, et savoir quelle est sa perspective demain. Ma deuxième question s'adresse à Monsieur Labonne sur les oasis pour le coup en environnement urbain, savoir ce que vous en pensez, quels sont, enfin si vous pouviez au moins donner un exemple et de la perspective pour demain. Et enfin pour Monsieur Paco, vous disiez que vous n'étiez pas à l'aise avec la notion de global et de local. Quelle est votre posture quant à la notion de glocalité qui serait un mix des deux? Je vous remercie. Merci. Donc juste un mot effectivement sur l'hôtel Pasteur. C'est donc ce qu'on appelle à Rennes un hôtel à projet. Finalement, c'est un lieu qui abrite différents projets portés par, qui est un lieu d'accueil pour les différents projets des habitants de Rennes et qui réunit dans un même lieu une école et l'hôtel à projet. Et ce qui est aussi très intéressant, c'est que là, la phase, on a eu un grand chantier de réaménagement de cet hôtel qui est en fait l'ancienne fac d'odontologie de Rennes. Et le chantier a eu lieu tout en gardant l'ensemble des activités de l'hôtel ouvertes. C'est-à-dire que c'était vraiment un chantier qui s'est fait petit bout par petit bout pour permettre aux différentes activités de perdurer pendant le chantier. De continuer. Voilà. Donc, Je vous renvoie, il y a eu un excellent documentaire sur l'hôtel à projet, donc qui est porté notamment par Sophie Ricard qui dirige l'hôtel Pasteur. Sophie Ricard sur YouTube, c'est ça? Oui. Voilà, sur YouTube, un excellent. Je sais pas. Non, vous savez pas. Ou sur l'autre plateforme française qui s'appelle Dailymotion.
Alors, Oasis en ville ? Il y en a. Alors, effectivement, ce n'est pas l'imaginaire qu'on se fait des oasis. Et c'est souvent plus compliqué, notamment la question de produire une partie de sa nourriture. Il y a des villes qui s'axent sur l'habitat participatif, hein, comme Strasbourg, qui a fait beaucoup d'expérimentations de lieux assez chouettes. Montreuil aussi. Oui, Montreuil. C'est vrai que la ville de Paris, c'est compliqué. Moi, je dois dire que les seules expériences que je connais à Paris sont vraiment des expériences assez anciennes, avec l'époque des valeurs qui étaient un peu différentes. Notamment beaucoup de projets, je pense, l'avoir du Buisson, la fonderie avant, couleur d'orange. C'était pas mal de bâtiments industriels qui ont été redécoupés aussi. Il y avait même un promoteur qui s'était... Oui, et puis souvent, c'était là-dedans. Une époque où les gens avaient peu de mixité quand même. Beaucoup de projets de gens qui étaient tous trentenaires il y a 30 ans, et maintenant, ils sont tous à la retraite, sans enfants. On retrouve ça aussi dans les groupes, dans certaines approches quand même, encore aujourd'hui. Hein. D'accord, alors c'est moins présent. En tout cas, il y a plus cette volonté aussi d'une pyramide des âges équilibrée. Après, moi, je pense à Mascobado, à Montpellier, qu'on a pas mal suivi, des projets comme ça. En ville, l'enjeu, c'est l'accès au foncier, hein, c'est clair, c'est un peu évident. Du coup, ça fait des projets souvent qui sont plus gros en nombre de familles que ce qu'on voit en milieu rural, qui sont un peu plus denses, parce qu'ils n'ont pas de mal à trouver aussi des personnes. Souvent des projets à 20, 25, 30 foyers. Mais c'est des projets qui ont un niveau de complexité qui fait que souvent, faut accéder à beaucoup plus de soutien, d'assistance à maîtrise d'ouvrage, etc. Bah là, vous parlez de l'autopromotion, c'est vraiment, on fait tout seul, c'est ça? Oui, en tout cas, moi, les projets que nous, on suit, c'est plutôt des projets citoyens, donc il y a une part d'autopromotion assez forte. Oui, mais on est sur quoi? Sur 3, 4, 5, 6, 7 ménages? Ah non, jusqu'à Mascobado, à Montpellier, ils sont 28 ménages. Et ils 28 ont, ouais. Et ils ont fait tout seul? Alors après, il y a des personnes compétentes. Après, ils peuvent être accompagnés. Mais c'est vrai que la question de faire des oasis en ville est beaucoup plus compliquée. Ça, je ne dis pas le contraire. Et en même temps, c'est des expérimentations, encore une fois, il y en a vraiment de plus en plus. Ouais. C'est vrai que l'exemple de Paris, pour moi, est presque un contre-exemple par rapport à d'autres communes, à d'autres grandes villes qui vont beaucoup plus loin, je pense. À Paris, les questions des appels à projets rend très compliqué l'accès à un foncier, à des collectifs citoyens qui ne sont pas professionnels. Il y a eu un appel à projet, il y aura peut-être un autre projet, un appel à projet avec trois terrains, effectivement, des initiatives privées. Mais... Et je peux juste une parenthèse pour dire que là, on est en train de faire un projet qui est une oasis ressources, qui est un projet qui a plein de limites, mais aussi, on vient de gagner avec d'autres, il y a 2 ans, avec d'autres associations, la Halle au Cuir, qui est un grand bâtiment industriel qui est l'empire de la Villette, juste avant les grands moulins de Pantin. Pour commencer à aménager une oasis ressources dedans, alors avec des tas de contraintes, il y a le péril d'un côté, le canal de l'autre, les grands moulins, les voies de tram derrière. Vous cherchez du monde ? Alors non, pour l'instant, on a plutôt du mal à faire tout rentrer en même temps, parce qu'on voulait mélanger une salle de concert et un collège-lycée Montessori, licence 4, donc on est confronté bien à la difficulté de faire coexister des usages aussi variés. Donc on est en plein dans ce projet-là, qui est d'inventer une espèce de grosse oasis. Après, c'est un 21e arrondissement dans Paris à terme, et la Villette est assez soutenante pour ce projet. Par contre, il n'y aura pas de logement, c'est vraiment un lieu d'activité, où il y a... Des marmites volantes qui vont faire un lieu de production de repas bio. Donc, il y avait un collège lycée Montessori, donc il y a du coworking, il y a du Fab Lab, il y a une salle de concert, il y a une ferme urbaine. On teste ça avec les contraintes et les limites de le faire en milieu urbain, quoi, disons. Mm-hmm. Merci. Localité. À l'aise, pas à l'aise? Ça vous plaît, ça vous plaît pas? Alors c'est quoi la localité? Le mot glocal est apparu sous la plume d'un auteur japonais au début des années 75, enfin 76, et a été repris en français par un de mes amis qui est malheureusement mort il y a quelques temps, qui s'appelle Paul Virilio, et qui l'avait rethéorisé autrement en y introduisant la dimension de la vitesse, puisque c'était un de ses thèmes. Et finalement, après en avoir pas mal usé de ce terme, il ne l'utilisait plus, parce qu'il le trouvait justement trop restrictif par rapport à ce qui lui observait, c'est-à-dire la précarisation des territoires. Donc, pour le dire autrement, le glocal appartient au même système économique, c'est lui qui le fabrique du reste, et ce capitalisme financiarisé, après avoir précarisé les emplois, eh bien, précarise les territoires. D'où la réaction d'Alberto Magnaghi, par exemple, comme une des réactions. C'est-à-dire que le territoire pour le capitalisme d'aujourd'hui est indifférent. C'est-à-dire que l'entreprise vient se brancher sur un plateau technique où il y a une gare de TGV, un CHU, un ceci, un cela, etc. Ça ne marche plus pour X raisons. Ils débranchent et ils vont ailleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette relation particulière, ce que vous disiez tout à l'heure, sur la territorialité.
C'est pour ça que je pense, et je suis loin d'être le seul à penser ça, que vraisemblablement notre rapport au territoire, qui peut être un territoire virtuel, qui peut être un territoire hors sol, enfin, etc., je ne suis pas dans le retour à la terre et l'ancrage territorial dans la terre natale, évidemment, tout ça est peut-être en train de réapparaître, mais il réapparaît en réaction à cette espèce d'indifférenciation du territoire qui est accompagnée à notre échelle mondiale aujourd'hui par la disparition, ou plutôt, je dirais, par l'effacement progressif de l'ailleurs dans nos imaginaires. C'est-à-dire que le tourisme massifié a aujourd'hui cette espèce de enfin, pour moi, c'est une sorte de tragédie, est capable d'effacer l'ailleurs. Et le tourisme massifié vit dans un éternel ici. Donc c'est une question de fond, hein, évidemment. C'est un petit libelle que j'ai publié là il y a quelques semaines, qui s'appelle « Le voyage contre le tourisme », où je reprends tout ce débat sur le non-lieu, notion très importante, le non-lieu, hein, qui avait été formulé en 92 par Marc Auger. Et il prenait comme exemple le voyage organisé, c'est-à-dire aller dans l'espace d'autrui sans sa présence. Alors aujourd'hui, c'est encore plus grave. Et en gardant ses codes culturels. On va dans l'espace d'autrui. Et non seulement on va dans l'espace d'autrui sans sa présence, mais en y imposant notre propre temporalité. Notre temporalité de nos repas, etc., qui ne correspond pas à la chronotopie locale. Donc on voit bien que... Alors ça, c'est une question moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que, comme j'ai écrit énormément d'ouvrages sur les utopies, depuis Thomas More, existent parce qu'il y avait un ailleurs. Ils se nourrissaient des récits de voyage. Or, à la fin du XIXe siècle, la Terre entière est cartographiée, nommée, mesurée, tout ce que vous voulez, visitée. Et donc, il n'y a plus d'ailleurs terrestre. Alors, les utopies déclinent, la science-fiction apparaît avec un ailleurs qui est la Lune, qui est Mars, etc., etc. Donc là, on voit bien comment tout ça s'organise au niveau d'un imaginaire. Et aujourd'hui, la reconquête de l'ailleurs passe, je crois, par une reterritorialisation de nos proximités. C'est-à-dire qu'il nous faut parcourir des territoires avec notre échelle corporelle. C'est pour ça qu'il y a tout beaucoup de succès, des marches, des pèlerinages, des gens qui font des sentiers de grande randonnée, etc., etc. Pourquoi pas ? Parce que tout d'un coup, la distance à parcourir est mesurée physiquement, sensoriellement, et non pas simplement par un coup d'avion, qui par ailleurs a une empreinte carbone déraisonnable. Donc là aussi, le débat est très lourd, parce qu'il y a 1,6 milliard touristes en 2018, on en annonce 2 milliards en 2020, et certaines agences de voyage, certains fabricants de tourisme, et de compagnies d'aviation, et de compagnies d'hôtellerie, etc., rêvent de 4 milliards en 2030. Alors là aussi, c'est excessivement intéressant de saisir la manière dont les touristes découvrent les territoires des autres. Alors là, il faut revenir encore une fois au vocabulaire, etc. Enfin bref, c'est un travail sans fin. Et relire Montaigne, pour savoir ce que c'était que de voyager. On va arrêter là. C'était la dernière question. Non, à ce moment-là, vous irez, mais, vous pourrez aller discuter avec les intervenants sur scène. On va continuer à discuter, mais là, il faut vraiment qu'on s'arrête. Est-ce que les Olympiques, c'est bien pour Paris ? Un prochain débat, Sébastien ? Est-ce que les Peut-être Jeux Olympiques sont bien débat, pour Paris ? Je vous invite à organiser ça, le prochain débat. Merci beaucoup, Catherine Dameron. Merci, Mathieu Ladonne. Merci, Cécile Maisonneuve. Merci, Thierry Paco. Et on donne la parole à Sébastien Godelus qui va nous annoncer le programme des... Non ? Oui ? Je vais surtout déjà remercier aussi au nom de la Bibliothèque publique d'information nos intervenants de ce soir, donc Thierry Paco, Cécile Maisonneuve, Mathieu Labonne, Catherine Dameron et vous-même aussi Cyril Poy pour avoir animé cette séance et les deux précédentes d'ailleurs. Je remercie bien sûr aussi nos collègues de la régie audiovisuelle qui ont fait en sorte que cette séance soit diffusée en direct sur le site de la BPI et du coup vous pourrez la revoir d'ici quelques semaines sur le site de la BPI, dans notre chaîne YouTube ainsi que sur la plateforme de France Culture.
Si ça vous intéresse pour prolonger aussi cette séance, vous pourrez trouver à la sortie, si vous ne l'avez pas déjà prise en entrant, une bibliographie sélective. Vous pourrez retrouver d'ailleurs certains ouvrages, pas tous, de l'ensemble de nos intervenants. En tout cas, il n'y a pas tous vos ouvrages, Monsieur Paco, dans cette bibliographie. Il y en a un certain nombre. Et puis, donc, si ça vous intéresse, comme l'a annoncé Catherine Dameron, vous avez un certain nombre de documentations autour du Bureau des temps que vous pourrez venir sélectionner ici. Voilà. Je vous souhaite une très, très bonne soirée.